Bonjour les gars, la séance ouverte. J'ai un pouvoir de madame Lemonnier Marivonne, étant absente de la réunion du mardi 22 septembre 20h30. Je donne donc pouvoir à monsieur Tony Cravet. Donc Tony Bachelet vient de m'appeler, il a 21 quart d'heure de retard. Est-ce que tout le monde a eu le compte rendu de la dernière réunion? La réunion du 29 juin. Ça avait été distribué, mais nous, à la mairie, on a modifié deux trucs, donc que je vais vous lire, c'est un supplément. Un premier vote approuve la durée de 5 ans pour 7 voix contre 4 voix. Un deuxième vote approuve le choix de Lothaire Rimbert par 10 voix pour M. Gilles s'abstient. Et pas comme il avait été dit sur Internet que. J'étais pas sorti, que mademoiselle le Forestier n'était pas sorti, alors qu'on a quitté la séance tout de suite. Alors ce qui serait bien, de façon très détendue, c'est qu'en fait, quand on a un enregistrement audio, on a, si la personne qui dirige les débats ou si vous-même vous le dites pas, le problème c'est qu'en fait, M. Rimbert avait le pouvoir d'un pneumonier. Donc quand il est sorti, il y avait aussi un vote en moins. Moi, je crois que c'était ça, ce vote en moins. C'est de bonne foi, hein, faut pas. Oui, enfin. Il s'est arrivé à une erreur, ça arrive à tout le monde d'en faire. Donc, ouais. Là, pourquoi, dont mademoiselle Forestier, vous avez voulu me faire passer pour qui, là, franchement? Vous avez voulu me faire passer pour qui à mettre ça sur Internet? De quoi? Je vais vous le dire. Le théâtre du fils de M. Rimbert est choisi par 11 conseillers municipaux, dont mademoiselle Le Forestier. Oui, bien sûr. Parce que vous étiez, pour moi, vous étiez resté. Et non. Et pourquoi vous êtes parti? Pardon? Pourquoi vous êtes parti? Bah parce que j'ai pas voté pour. J'ai pas prendre part à la délibération. Pourquoi? Bah parce que je suis sa conjointe. J'ai pas prendre part. Vous me demandez, vous me prenez pour qui, là? Je ne prends pas pour personne. Vous avez voulu me faire poser pour qui en mettant ça sur Internet, ça change en plus. J'ai fait une erreur. Ça arrive à tout le monde, ça aurait été dans le chiffre, ça aurait bien dit. Mais là, tout, mademoiselle Le Forestier. Donc, c'est pas vous qui l'avez corrigé, c'est moi qui l'ai corrigé. Parce que je me suis rendu compte, j'ai réécouté la bande, et M. Denis Bachelet avait dit 11 voix. Je me dis, ben oui, effectivement, il y avait 11 voix. Il n'y avait pas 10. Bah oui, ça arrive à tout le monde de faire une erreur dans le chiffre. Là, dont mademoiselle Le Forestier, donc, c'est n'importe quoi, là. Bah parce que j'étais surpris que vous restiez, effectivement. Ça me semble choquant que vous soyez resté. Pardon? Vous, enfin, je dois, c'est vraiment faire passer pour que je ne sais pas qui. Franchement, je ne sais pas qui. Bon, à part ça, avez-vous des remarques? Une remarque globalement sur les dépenses de fonctionnement qui se votent tous les ans. Attendez. Là, on est sur la séance du 29 juin 2015. Oui, on fait le compte-rendu de cette séance. Oui. Est-ce qu'il y a des remarques pour cette. Je remarque que les dépenses de fonctionnement se votent chaque année et que le fait de dire pour être tranquille, on votera pour 4 ans, ça ne correspond pas à ce que la loi autorise. Pourquoi pour 4 ans? Non, c'était 5 ans. Et encore une fois de plus, il a été marqué un an de plus de la mandature. Vous ne savez pas compter jusqu'à 5, vous avez fait des jeux, là, pour apprendre aux enfants. Il restait 5 années à faire. Donc on ne dépasse pas la mandature. Ah si, vous dépassez la mandature, monsieur, depuis quelques mois. Ça a été dit pendant le débat. Ça a été dit, mais ça a été dit, mais ça ne dépasse pas la mandature. La mandature est de 6 ans. Il y a eu une année de tonte, donc il n'arrive rien à ça. Le procès verbal retrace ce qui a été dit, monsieur. Oui, donc j'ai retracé ce qui a été dit. Oui, mais ça dépasse pas la mandature. Si, monsieur, ça dépasse la mandature de quelques mois. Ouais. Mais si. De quelques mois, mais on parle de 6 ans, on parle pas de mois. Donc on les accotements une fois par an. Ça dépasse de 3 mois. Le fait de faire dépasser de 3 mois un vote de dépenses de fonctionnement qui se vote chaque année. On n'a pas voté les dépenses de fonctionnement, on a voté l'entretien des accotements. Comment vous faire vous rendre compte de la réalité? On a voté l'entretien des accotements, on n'a pas voté les dépenses de fonctionnement. Pour 5 ans. Oui. Donc on ne dépasse pas. Non, les 5 ans. Les accotements est une dépense de fonctionnement. Ah, forcément que c'est une dépense de fonctionnement. Donc vous dites le contraire à 3 secondes. Mais on ne va pas faucher, on va pas tailler les accotements au mois d'avril. Est-ce que ça, les élections, c'est toujours mars ou avril? On ne va pas tailler tout d'un coup, on va mars avril. Ah si, parce que les élections, ce sera mars-avril, et du coup, les abonnements, ils seront dans le dur. Bah, il y aura forcément. Il y aura un nouveau conseil. Oui, mais donc, du coup, dans le nouveau conseil, nous, il y aura un fauchage qui sera de notre part à nous. Non. Bah si. Mais non. Mais non. Là, cette année, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, les élections sont en 2020. Voilà. La question rapide, on ne sait pas si on n'a pas les dépenses du conseil municipal, alors que c'est l'école, on le verse sur les d'autres marques. Si tout le monde a eu le compte rendu. Donc tout le monde peut le signer.
Évidemment, j'ai donné chevaux, je l'ai de sélection, évidemment, ça fait. Oui. Et c'est chaque année que ça se vote. Donc là, ce serait pareil, vous avez voté l'année dernière. Non, parce que là, vous avez voté un avis pour 5 ans. Oui. Là, si vous partez sur l'année, ce serait dessus. Après, moi, personnellement, ce qui a été voté et accepté, on a débattu autrefois. Quand on n'est pas dans la légalité, on peut en débattre 15 fois peut-être. Hein. Vous savez. Allez-en un tout petit peu. Ça nous fera des francs en moins. Sur la légalité. Prenez-en un tout petit peu ce que je dis, ça vous fera des francs en moins. Ça nous fera des francs en moins. Ça fera aux habitants des francs en moins. Vous ne pouvez pas arriver là avant 60 ans. Oh, ça démarre bien. Ouais. À chaque fois, c'est comme ça. Et à chaque fois, on a vos états d'âme, monsieur Butel. Il y a même un cousin qui soupire. On a à chaque fois ça. Mais et vos états d'âme aussi, on les supporte. Ah, même. Ouais. Voilà. Je crois que voilà, faudrait balayer un peu devant chez vous. Oui, papa, monsieur. C'est vraiment une volonté chez vous de casser ce qui se fait. Voilà. Avec le petit caillou dans la chaussure. Pour être tranquille, oui, ça c'est sûr que c'est pas une façon de dire, c'est pas une façon de faire, effectivement. Non, c'est un vote pour c'est pas dans l'autre sens, c'est une façon de faire. Un vote pour être tranquille, un vote pour pas avoir à voter tous les ans. Non, c'est à mon avis la plupart des votes. C'est exactement ça, les uns parmi les autres. Les propos les gens, c'est pas dans l'autre sens, on va rebattre les discussions, même si c'est la dernière discussion. Je ne finis pas. Le procès verbal, parce que les indications que j'avais indiquées au départ, j'étais trompé. Et en tant que secrétaire, pourtant quand je demande des choses à rajouter, on les refuse. Et maintenant, quand je fais le compte-rendu, tout va bien. Un secrétaire de séance. Je vais faire signer Tony. On a changé le nom de voix. Passer à l'ordre du jour, on aurait une délibération supplémentaire à prendre pour la mise en œuvre de la flexibilité. Secrétaire. Le secrétaire de séance. Vous ne battez pas. Tony Vachel. Donc l'ordre du jour, délibération. Je vous demande si on peut faire une délibération supplémentaire pour la mise en œuvre de la flexibilité. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre une délibération supplémentaire? Est-ce que ça a été discuté, réfléchi, élaboré en commission ou pas? D'où ça vient? C'est une obligation. Une obligation. Nous, on a déjà fait la rampe, mais il y a encore des choses à faire. Donc il faut. Accessibilité pour handicapés. Un autre, c'est une personne qui a contrôlé tous les locaux communaux. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut. Pour voir si on veut faire quelque chose. Et si. Et s'il y a des endroits qu'on ne peut pas le faire, on a une attestation. Donc là, c'est pour un diagnostic. C'est une personne qui fait un diagnostic. Oui, c'est un diagnostic. Quel est le délai qui nous oblige à le mettre à jour aujourd'hui? Ben, parce que c'est à la fin du mois. Et c'est 27. 27. C'est pareil pour vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre la délibération? Donc, on va passer à l'ordre du jour.
Délibération pour la fusion du SAEPA Bassus et de Gournay-en-Bray. Suite à la réception du courrier de Madame la sous-préfète de Dieppe, en date du 3 septembre 2015, le projet de périmètre et les statuts doivent être soumis pour approbation au conseil municipal de votre commune. Comme convenu, je vous transmets le modèle de délibération en pièce jointe. Proposition de la délibération. Objet, avis sur le projet de périmètre d'un syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement issu de la fusion du SAEPA du Bray-Sud, du syndicat d'eau et d'assainissement de Gournay et Ferrières-en-Bray et du SIVU de la station d'épuration Neuf-Marché de Saint-Pierre-et-Champs. Vu l'article L 5212-27 du Code général des collectivités territoriales, vu le courrier du 3 septembre 2015 de Madame la sous-préfète de Dieppe, vu l'arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2015 fixant un projet de périmètre en vue de la fusion des syndicats suivants. Syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Bray-Sud, syndicat d'eau et d'assainissement de Gournay-Ferrières-en-Bray, SIVU de la station d'épuration de Neuf-Marché de Saint-Pierre-et-Jean. Il appartient désormais aux conseils syndicaux des trois EPCI, ainsi qu'aux conseils municipaux des 19 communes concernées de se prononcer sur ce périmètre, à défaut de délibération dans un délai de 3 mois à compter de l'unification de cet arrêté, l'avis de la collectivité est réputé favorable. Monsieur le maire rappelle qu'à l'issue de cette phase de consultation, et si les conditions de majorité prévues par la loi sont acquises, monsieur le préfet pourra prendre l'arrêté de fusion. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc on va délibérer, et donc ce sera approuve le projet des périmètres de fusion des syndicats suivants, le syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Bray-Sud, syndicat d'eau et d'assainissement de Gournay-Ferrières-en-Bray et le SIVU de la station d'épuration Neuf-Marché de Saint-Pierre-et-Champs au sein de nouveau syndicat d'eau et d'assainissement. Donc, quels sont ceux qui sont contre ? Des questions d'abord. Est-ce qu'on a un délégué à ce syndicat ? 2 délégués. Qui sont-ils ? Moi et Jean-Marie Franco. Et est-ce que vous pouvez donner des explications par rapport à ça ? Mais c'est qu'on avait, c'est un peu expliqué là-dessus. Il y avait le syndicat de Bray-Sud qui était à Neuf-Marché. Après, il y a Gournay-Ferrières qui est un deuxième syndicat. Après, la station d'opération Neuf-Marché et de Saint-Pierre-Champs. Et ils veulent fusionner parce que déjà, on dirait deux syndicats. Bray-Sud et Gournay-en-Bray, ça a été la guerre pendant des années, ça a été au tribunal de tout passage. Avec des problèmes financiers, non, il me semble. Et quand quelques... On ne nous a pas donné les chiffres de Gournay-Ferrières, on n'a pas le droit de savoir. Le prix de l'eau. Justement, si on découvre les chiffres une fois qu'on a fusionné, on fait comment? Le problème, si on découvre les chiffres une fois qu'on a fusionné, j'espère qu'ils ont encore de l'argent parce qu'ils doivent 2 millions d'euros à notre syndicat. Ouais. Justement, fusionner. Bien. Mais ils sont obligés d'avoir de l'argent de toute façon. S'ils fusionnent, ils n'ont plus les sous là. Bah oui. Après, normalement, ça va être un compte commun. Bah oui. Et voilà, donc en fait, c'est même le percepteur de la fuite a pas le droit de nous donner les chiffres. D'accord, mais de toute façon, nous, si on s'oppose, de toute façon, ça sera quand même. Si on s'oppose, si toutes les communes. Moi, en tant que délégué, je suis pour. Mais bon, après, ça, c'est votre. Mais donc, du coup, on a payé en fait, pour avoir l'air pendant des années la flotte, et c'est là, finalement, ils arrivent, ils vont repartir à zéro, et puis nous, on va. Enfin, le problème qu'on a dans ce syndicat, c'est que Bray-Sud fournit, je crois, 65% de la station d'eau de Neuf-Marché. Il y a 65% qui part à Gournay. Et alors, quel problème ? Dans tous les cas, même si on ne peut pas leur couper l'eau, dans tous les cas, même si c'est pas résolu au pénal, on est obligé de les fournir. Ça a déjà été récemment. Donc ça veut dire vaut mieux qu'ils payent à partir de maintenant ou jamais. Enfin, bon, ça a été au tribunal déjà plusieurs fois. Ça a été au tribunal, ça a été plusieurs fois en préfecture, au niveau du préfet. Et c'est la meilleure solution qui a été récupérée. Entre nous qui sommes, qui nous doivent à peu près sur 2 millions, eux ils ont un déficit de 2 millions, ben, normalement c'est de s'éliminer. Ouais. Et normalement c'est pour éviter les conflits entre qu'on leur fournisse de l'eau, on va dire gratuitement. Mmh. Et on sait que ça va continuer, même si on fait des fermes, je ne peux pas le bloquer. Tu dis quoi, Germain, tu dis quoi c'est... Dans tous les cas, on est obligé, tu ne peux pas empêcher de fournir de l'eau à la ville de Gournay. Ça c'est.
Tu peux essayer, mais bon, c'est... Ouais. Non, ça vient quand on aura fait ça. Ça a déjà été envisagé. Et la sous-préfète... Mais dans tous les cas, on leur fournit toujours de l'eau. Naturellement, plus que ça dure, plus qu'on a augmenté la dette. Mais là, quand on aura fusionné, ils sont hyper en arrière. Normalement, nous, dans les bilans comptables, ils nous doivent 2 millions. Donc normalement, eux, de leur côté, ils doivent avoir 2 millions de côté. Les 2 millions qu'ils nous doivent. Après, je ne suis pas sûr que c'est si réel, parce qu'il y a des histoires de contrats avec les prix de l'eau qu'ils ont vendus à certaines sociétés. Gervais. Pas le nom, parce que voilà. à certaines sociétés qui seraient moins chères que le prix qu'ils s'étaient engagés à faire. Donc c'est pour ça que les déficits qui se feraient, c'est pour ça qu'ils nous perdent. Là, du coup, il n'y aura pas de... Bon, en clair, si vous prenez l'eau, du coup, il va pas... On part sur le principe, au mieux avec le compromis qu'un autre procès. En sachant que le procès, ça peut encore durer pendant des années, sans qu'un bouchon. Un bon compromis, c'est quoi? C'est quoi, c'est ce bon compromis pour nous? Le compromis, c'est qu'on peut partir d'une valeur stable, et ça fait que maintenant, on pourra au moins se faire payer l'eau qu'on leur fournit. Alors que là, en pensant que tu fournis de l'eau. Si on continue à ne pas payer, nous, on va continuer à payer. Mais non, mais c'est vrai, ça ne se pas peu. Une fusion, c'est une fusion, tout le monde s'en sort. Il y a des prix, en ce moment. L'eau fournit, non? Peut-être, mais. Pas sûr. Ça m'a un peu dégueulasse. Peut-être pas en quantité, peut-être pas en totalité. Ouais, ouais. Toi, tu payes pour ton nom, on te la coupe. C'est un peu vache. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre la fusion? Pas le choix, on a toujours le choix de si on acte les choses, si on acte le fait d'être contre. Moi je ne voterai pas pour, je vous le dis, parce que je peux pas voter pour ça, c'est pas possible. Soit s'abstenir, soit voter contre, mais pour voter pour un truc qu'on. On a 3 mois déjà, hein, du 3 septembre, on a jusqu'au 3 décembre pour voter. Un dossier comme ça en l'état, me dire on n'a pas le choix, il faut le faire. Moi généralement dans la vie, je fais jamais ça. Enfin, je veux bien le discours effectivement du bon compromis face à un procès. Non, mais c'est, je vous dis, justement, voilà, les débats qu'il y a eu sur le sujet, hein, parce que je sais, j'ai été à 4 réunions, ça venait déjà depuis des années. C'est vrai que pour moi, c'est mieux, c'est pour qu'on au SIUM, on a eu le même débat en 2012. Tout le monde a voté pour la réforme. Après, et maintenant, après, je vous dis pas forcément, je suis pour. Mais est-ce que même si ça passe pas, la solution va s'arranger? On me dit actuellement. Je suis pas vraiment pour, hein, parce que c'est vrai qu'on s'assure sur la solution. Mais par contre, elle compte, c'est difficile, parce qu'on sait que la solution actuellement, c'est ça s'est jamais arrivé. Non, mais pardon, il y a eu des frais de tribunaux et tout. Oui, mais je ne sais plus, il y avait eu le cancer à 12. Après, ils attaquaient au tribunal chez moi. Et ça dure au moins depuis une dizaine d'années. Au moins 6 ans. Mais c'est vrai que la voix des communes, c'est important aussi. C'est-à-dire que quelqu'un fait une action communale, d'accord, mais les gens, les habitants, c'est nous. Dire s'abstenir ou dire non, c'est quand même important de ne pas, dire oui dès le départ. Quoi. Je trouve ça. Quels sont ceux qui sont pour? Moi, personnellement. Pour la fusion. Et qu'une voix? Contre la fusion. Une. Et donc le reste c'est des abstentions. Marie-Laune, elle vote quoi? Ah oui, non, elle vote, c'est moi qui vote pour elle. Deux voix pour. Deux fois en deux comptes. Donc en fait, on a abstention. On en verra pour ça. Quel est le résultat du vote dans ces cas-là? Non mais quel est le... Bah après ça va dépendre de ce que les autres communes vont prendre. Ça a été approuvé ou pas là? Non, c'est pour les autres. Là il y a deux voix contre, deux voix pour. Ça a été abstention. Ça a été approuvé ou pas? Non mais... Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, c'est pas approuvé. Il n'y a pas une voix... Là c'est nul. C'est nul. Alors c'est pour les autres communes. Délibération pour la vente du mobilier de propriété Barbot. Donc j'ai rencontré Dizarbois. Pour faire suite à notre entretien, je vous informe que lors de votre prochaine réunion de conseil, il y aura lieu de prendre une délibération pour autoriser les ventes mobilières dépendant de la succession de M. Barbot.
Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on fasse une vente? On n'a pas eu la liste de Si, on l'avait vu. Ici est passé. Ah, ici est passé. Et donc j'ai encore rendez-vous avec lui. Et là, ça serait une vente. Est-ce que le matériel pour la commune a été enlevé ou pas? Oui. Philippe, tu as la liste. C'est ce qu'il y a eu. Pas sur moi, mais je l'ai transmise. C'est du matériel de jardinage, d'électroportatif, la quincaillerie. Ah bah ça a été fait. Tracteur tondeuse, ça a duré, tout ça. Percheur aussi. Percheur. Normand. Non. Le motoculteur. Ouais. Comme bon matériel. Sinon, il y a élagueur, tronçonneuse, il y a des perceuses. Bon, il était très très bien outillé, c'est vrai que c'était. Dans un magasin de bricolage. La voiture, en bon état, la voiture a fait partie de la vente mobilière. Parce que finalement, quand on faisait, il n'y a pas grand-chose. Et donc, le notaire m'a demandé qu'on laisse la voiture, parce que sinon, on dit que s'il n'y a pas cet objet, il ne faut pas de vente. Oui, parce qu'il se paye un pourcentage. Ça serait bien qu'on ait un inventaire lié à cette décision municipale de vente. Sans inventaire, on vote sur une vente, il n'y a pas de... Donc là, c'est une liste qui a été établie par l'huissier. Avec des prix dérisoires. Mais si, on a discuté sur le prix qu'on était à la régulation. On a déjà vu des meubles. On a été surpris parce que ça a été voilà, des armoires. Il y a eu des ménages de fer avec tout ça, frigo. Frigo qui tourne, tout ça. Hein? Le frigo qui tourne. L'herbe a été fauchée. Oui. Si on n'a pas nettoyé le frigo. Par qui? L'herbe a été fauchée par qui? C'était l'association que tu avais dit, non? Ah non, mais personne ne peut rentrer dans la maison. Non, l'herbe. Ah, bien. On a pris. Tony, il avait dit quelques. Johan Ekay, paysagiste de la commune. Ah bon, je pensais que vous preniez le truc en café. Non, on l'a demandé, mais ils ont. J'ai appelé deux fois, ils ne sont jamais venus. Ah bon. Donc, là, une fois que c'est la libérée, la date, elle sera affichée chez le. J'ai rendez-vous, justement, on est revenu ce soir, j'ai rendez-vous avec l'huissier et jeudi. Qui fixera une date. Faire une vente, enfin, il faut un peu nettoyer, un peu dégager. Avant sur place. Ouais, celui-ci qui se dit. Celui-ci, on était là pour comme témoin. Bon, puisqu'ils vendent tout comme ça par le tour. Et qu'est-ce qui assurera la publicité de la société? Est-ce que tout le monde est d'accord pour la vente? Est-ce qu'il y a des personnes qui se posent? Non. Tout le monde pour. De plus, je vous remercie de bien vouloir voir avec votre conseil si vous souhaitez vendre la maison avec tout le terrain, ou bien si vous souhaitez procéder à la division de deux lots à bâtir, sachant que vous avez déjà eu deux certificats d'urbanisme opérationnel. Si votre conseil municipal décide de procéder à la division des deux l'eau à bâtir. Ils devront vous autoriser à faire passer le jeu de maître dans les plus brefs délais. Alors, elle estime la maison à 130 000 euros, avec les 4 000 mètres, et puis 25 000 euros de parcelle de 1000 mètres. De 1000 mètres. Il y a 6 000. Ça fait 20 000 de vendus en terrain à bâtir, donc il resterait quand même. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Deux parcelles de 1000 mètres. Deux parcelles de 1000 mètres qui vont être vendues en terrain chacun. À 25 000 euros chacune. Oui. Donc ça fait 50 000. Oui. Plus 130, c'est déjà la vente à ce prix-là. Mais et elle me disait qu'avec tout le terrain, ce sera impossible de vendre. C'est bon. Ça va pour l'instant, on n'a pas parlé de. On n'a jamais. Délibéré de savoir si on voulait vendre ou pas vendre déjà. Mais je vous dis, qui a fait faire le certificat d'urbanisme? Moi.
Après, on fait pas. Hein. C'est une volonté. En tout cas, les propos de la notaire, dans l'urgence de faire venir un géomètre, non, il n'y a pas d'urgence à faire venir un géomètre. Non. 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 Je vais mettre pour pas se contenter de mourir tous la semaine prochaine. Non, c'est peut-être pour la suite de la succession. Ah oui, c'est pour les suites de ça, je pense que les échanges, je ne sais pas bien où je vois, c'est un rapport d'obligation. Par rapport à la procédure de succession, il faut que ce soit. Non, il n'y a pas de date butoir, mais bon, après. Je suis dans la succession, de toute façon, il n'y a pas de date. Non, mais ça, c'est pas un dossier qui doit traîner. Mais justement, peut-être que si, c'est peut-être un dossier justement où on doit réfléchir, prendre un petit peu le temps. Bah oui. Il n'y a pas d'urgence avant le lancer de mon livre, c'est cool dans 3 mois. C'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Comment c'est un dossier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous décidez quoi pour en finir? Ouais. Ça va être ça tout le temps. C'est quoi la question en fait? Savoir si on divise des parcelles, tu vois. Sachant que si on ne divise pas, on va vendre moins cher. Et On pourrait dire qu'est-ce qu'on va faire de la maison de M. Barbot. Non, justement. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on vend le lot, la maison plus les 6000 mètres carrés, soit on vend la maison avec 4000 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal, et puis on divise. Soit on vend pas, mais on fait autre chose pour la commune, il y a plein de. Et on est là pour en discuter, on est bien d'accord. Ah oui, mais là on n'est pas là pour discuter. Ce qui aurait été bien, c'est de faire une délibération pour chacun, est-ce qu'il y a un projet pour la maison de M. Darbois. Donne un projet. Moi, j'ai toujours parlé de dire de ne pas vendre parce que voilà, on cherche du terrain pour nos enfants à faire des terrains de jeu. On a 5000 mètres carrés. On cherche une cantine éventuellement pour les enfants. On n'a pas de moyens du tout pour faire dormir. Mais quand ils vont en faire une, on a des terrains. Non, parce que les enfants, ils jouent sur du béton. Ils ont déjà peu d'air pour jouer. C'est pas pour enlever encore. Un terrain de jeu, d'accord. Pour les enfants, on cherche du terrain. Pour les enfants. On cherche plein de choses. Il y a plein de possibilités. C'est un terrain de jeu, ça peut être un accueil pour les petits enfants en bas âge. Il y aura certainement un avis sur les bâtiments. Peut-être. Il y aura certainement un avis. On ne va pas demander seulement à vous l'avis. On demandera à des personnes compétentes. L'avis des personnes compétentes pour savoir si on peut faire un projet ou pas par rapport à ça. Ouais. Avant de le détruire maintenant, on peut retourner le laisser vivre peut-être quelques jours. Avec l'argent de la maison, tu peux faire quelque chose dans le sud. Moi, je voulais faire ça comme ça. Oui. Ah oui, mais ça c'est normal. Tant qu'il n'y a rien à faire là, vous en avez Bien. Et puis après, ça dépend ce qu'on me donne, ce qu'on me laisse à terre, ce qu'on met dans le public.
Est-ce qu'on peut mettre en vente la maison et le terrain en pensant on sait si ça ne va pas faire des parcelles. Il va y avoir autant de frais que... Si tu penses en ah ouais, c'est un projet, bien sûr. C'est faisable aussi. Vendre la maison avec le terrain en pensant, si ça marche pas, c'est pas la suite. Oui, tu vas faire ça. Si pour 500 000 euros, tu vends 5 000 mètres carrés, oui, on va te donner la boulot. Mais non, ça sera encore en plus. Bah, je crois pas. Ça, tu ne paieras pas. Mais oui, mais si tu veux la conserver, tu vas faire comment ? Pour les travaux. Voilà, on a déjà la boulangerie qui est ouais, et puis au dessus, ouais, ça va se détériorer, machin. C'est une très bonne chose. Je crois que la volonté de Jenny, c'est plutôt d'avoir un projet. C'est pas forcément. C'est de profiter de maintenant pour avoir un projet. Mais la vente permet aussi de faire un projet. Parce que voilà. L'argent récupéré, moi, on peut rebondir sur un autre projet. Avec l'argent de la maison, tu peux garder deux parcelles. Moi, je veux travailler sans ça, non, les autres font ce qu'ils veulent. Et puis, avec l'argent de la maison, tu peux, si tu veux pas faire une cantine, un truc, un bâtiment, on peut le faire. Et 2009, il fait quelque chose. Va vendre la maison en disant, bah, vous savez, vous avez 2000 mètres carrés qui vont être une crèche ou un machin. Je ne sais pas si tu vas vendre ta maison. Bah, ça dépend. Pourquoi le dire hein. Voilà. Ouais, mais c'est paradoxal ce que tu dis, en fait, parce que... J'ai pas compris ce qu'elle dit, Jenny, c'est un peu paradoxal. Tu dis que tu vas pas vendre la maison si tu veux faire une crèche dans les deux. Non, je dis, ça va être difficile à vendre la maison avec 3000 mètres carrés de terrain en disant, vous savez... On vous dit rien, mais à côté, il y aura une crèche, il y aura un square, il y aura... C'est pas fou non plus. C'est pas un square. Là-bas. Oui. Ben oui, mais si c'est viabilisé pour faire une maison, un square pour... ça donne une tasse. Mais si on veut garder le terrain pour faire quelque chose pour les enfants, non, faire... Il faut voir comment ils sont découpés les terrains, ça se trouve, il n'y a pas d'accès... Si, avec une notaire à regarder, il faut faire un loyer, un terrain de chaque côté, ouais, voilà. Avec la sortie centrale de la maison à clé. Ah oui, c'est ça. Et du coup, on n'aurait pas de mettre dans le côté. Ah oui, là, c'est pas groupé les fonds. Non, ça peut pas être groupé. Parce que la maison, elle est trop sombre. Et qu'un seul terrain, et puis vendre le restant, avec la maison. On ne dit pas après que le dossier avance pas. Ça raconte parce qu'on va faire des heures. C'est génial, tout le monde, j'espère pouvoir vous résider. Moi, j'aurais voté pour vendre tout. Ouais. Ça part. On fait des heures à bâtir. Oui, mais vendre tout. Vendre tout. Mais tu n'auras pas l'argent. Tout d'un coup. Voilà. Parce que. On va faire deux. Faire vente à l'ensemble. Si ça ne va pas, le temps de vie dans le sens. 70%, 80%, et puis. Ouais. De toute façon, si tu vends tout, ça revient au même. Mettons le prix que la personne va t'acheter sous. Elle va pas forcément rapporter à personne parce qu'on vend la maison. Voilà. Demain, on vend deux terrains et puis il se retrouve avec deux maisons en pied de l'élite là. Ils vont venir nous dire. C'est la vente aussi. Ça fera peur aux gens, ça d'avoir deux terrains à vendre à côté. Tu vends l'eau et quelqu'un qui voit suffit de tomber sur la personne qui aime bien un terrain. Pas de rien. Ce qui fera pas peur aux gens, c'est d'avoir un autre terrain ailleurs. Avec l'argent, on peut faire un terrain ailleurs. Il y en a des terrains à vendre aussi, c'est pas ça qui manque. Mais bon, si c'est pour 5 km pour trouver une cantine, c'est pas ça non plus. Ah bah attends, il y en a au centre du terrain. Ah non, ça fait des années qu'on demande et que. Non, mais là, il y a des terrains à vendre. D'un point de vue agricole, s'il y a deux terrains faits là, c'est deux terrains qui prendront pas de la surface agricole ailleurs. Aussi, après, d'un point de vue des habitants, si la mairie décide d'avoir un projet sur ce terrain-là, elle reprochera à personne d'avoir un projet sur ce terrain-là, je peux vous le dire. Un projet positif qui marquera votre mandat, c'est bien la rénovation de l'église, je ne suis pas contre. Mais avoir un projet aussi pour l'enfance, par exemple, c'est aussi une chose... C'est l'avenir. S'inscrire là-dedans, je trouve ça... On
Moi, je vois pas une cantine là-bas, mais si tu as des enfants. Si je peux me permettre là-dessus. Si je peux me permettre là-dessus, Stinia, elle a bien là-dessus. Si tu peux voir 2-3 personnes qui là-dessus, peut-être développer, peut-être déjà au niveau de l'école, est-ce qu'ils voient une solution là-bas? Oui. Au niveau du crèche, est-ce qu'ils voient une solution? Peut-être un peu de travail rapide sur un délai d'un mois, au moins pour assez tenir autour et peut-être le chiffrer. Après, à part moi, la distance si de l'école à la base, c'est trop loin. C'est trop loin, c'est pas prudent. Par contre, pour faire peut-être un délai pour pas non plus, tu sais, ça c'est un accident. Déjà, non, je prends l'avant-deux hier et s'il y en a qui veulent se renseigner, il faut faire autre chose. Donc on peut quoi, par rapport à un délai d'un mois? Donc les différentes solutions, déjà si c'est acceptable au niveau d'une crèche, d'une association, là-dessus, est-ce que l'école... Et même l'école, tu penses à l'école, tu verras vite le retour, c'est oui ou non. Et pareil pour les garderies, hein, tu sais, s'ils vont vite te dire c'est oui ou non acceptable, et si même il y a le marché pour. Parce qu'il n'y a peut-être pas, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y en a des belles crèches à tourner qui sont déjà... Au niveau des possibilités de stationnement, la rue est étroite. Oui, aussi. Le sens. Bon, après, t'as pas bien passé. Mais et après, il faut aussi savoir, voilà, on parlait tout à l'heure aussi des voisins à droite à gauche, aussi que le projet respecte aussi le site de bien sûr. Parce que oui, si tu mets une garderie, une crèche, une clonatère juste à côté de ta maison, oui, c'est sûr. Ça ne peut pas forcément. Ils sont pas trop contents d'avoir des terrains à bâtir là-bas, alors s'il faut implanter un truc de garderie. Si tu es d'accord pour regarder ça, voilà. Après, moi, je suis pas toute seule à y aller, je veux dire, si effectivement, moi, c'est un projet. Il faut que ce soit fait plus près d'ici, moi, je reste. Non, mais c'est faisabilité, parce qu'après, on peut dire qu'on peut toujours faire là, mais si c'est pas... Mais est-ce que le terrain en face serait à vendre avec de l'argent en face de l'école? Non, il y en a d'autres ailleurs, mais pour l'instant, je ne peux rien dire. C'est plus loin. C'est un peu plus loin. Ah, si, c'est un peu plus loin. Non. Sur la grande route aussi. Oui. Pas sur la petite route. Ah, c'est pas plus loin. Non. Bon, on reprend ça à un autre moment. Vous réfléchissez au projet. Bon, après, il y avait une délibération entre les hommes et les on va faire la délibération celui-là. Après, on va prendre la délibération du supplémentaire mise aux normes d'accessibilité. Donc, on a appelé un monsieur qui travaille au CER, il s'appelle Monsieur Chastan. Monsieur Chastan. Et on parle de quoi, lui? Pour la mise aux normes d'accessibilité. Ah oui. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on... Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on prenne ce monsieur, sachant que je me suis renseigné, c'est à peu près tous le même prix. Et je passe à plus de 600 euros. 600 euros. Donc c'est un diagnostic. Diagnostic pour la mise en norme. On fait le dossier et puis. C'était ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Ce qu'on avait parlé tout à l'heure, il a parlé de. Mais nous, on est. Là, on est. Lui, il va dire oui, il va dire. L'église, après, chaque classe a une marche. Alors, je ne sais pas si vous. C'est pour tous les bâtiments municipaux. Mais par exemple, l'église, si vous voyez que ce n'est pas transformable, ils nous feront, on aura une dérogation. D'accord. Mais on est obligé d'avoir la dérogation. Mais pour les écoles, il faut les amener à l'église. D'accord. Après, vous, la mairie, tu auras salle de forme, tu as les ouvertures de sang, tu auras l'éclairage, tu auras le temps des éclairages. Il faudrait, si c'est possible, soit qu'on fasse la visite, que quelqu'un fasse la visite avec lui, soit qu'il vienne au conseil, et qu'il vienne au conseil à la fin pour expliquer son rapport de diagnostic, si c'est possible. Après, c'est peut-être un supplément. De toute façon, nous, on aura tout aussi. On va nous transmettre aussi. 600 euros. Si c'est en tablette. J'ai un accord. Ça ne pas. Non, mais justement, je vais poser la question. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? L'abstention? Donc tout le monde est pour la mise en ordre d'accessibilité. Délibération pour frais de justice. Donc,
on a une délibération à prendre pour des frais de justice pour le tribunal. Le client a chargé l'avocat et le conseil l'assister et le représenter dans le litige devant le tribunal administratif qui l'oppose à M. Olivier Gilles, on parle de moi forcément, suite à une demande d'annulation des délibérations prises lors de la séance du conseil municipal du 19 janvier 2015. On ne parle pas de vous, on parle de la commune représentée par vous. Oui. C'est pas pareil. Oui, c'est pas vous. Vous défendez les intérêts de la commune, mais c'est pas vous. Oui, non, mais je défends beaucoup les intérêts de la commune. Bah, si vous êtes maire, alors, on a souvent des coche-pieds, alors c'est comme ça. Bah, si vous êtes maire. Donc, ça coûte 2 000 euros. Qu'est-ce qu'il y a cette séance du 19 janvier? J'ai pas compris. On avait fait une réunion le 19 janvier. Donc, les convocations ont été distribuées en temps, je le répète encore une fois de plus. Mais monsieur Gilles a trouvé qu'il n'avait pas eu sa provocation, donc il a mis ça devant le tribunal pour faire annuler les délibérations. Donc moi, je me défends, je prends des avocats pour défendre la commune, pas vous, la commune. Donc ça coûtera 2 000 euros. 2 000 euros, vous avez, il y a la commune a une assurance par, ça, par rapport à ça? Non. Pardon? Non. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il n'y a jamais eu d'assurance sur la commune pour ça. Et j'avais eu besoin. Non. Et donc là, dans le nouveau contrat qu'on a passé il y a quelques temps, ça on vraiment l'a mis dedans, mais il faut attendre 6 mois. Ça ne peut pas être pris d'office ou plus. Voilà. Donc si j'ai bien compris, pour le fait qu'il n'y ait pas eu une convocation d'un conseiller de distribuer en temps et en heure dans la boîte aux lettres, ça nous revient à des frais de justice d'un montant de 2 000 euros. Qui signale pas dans les... voilà. Est-ce que vous avez bien compris aussi que dès le mois de septembre 2014, je vous ai signalé le fait et que vous m'avez répondu haut la main que c'était complètement faux, que vous aviez déjà été prévenu avant? Oui, mais oui, de toute façon, c'est faux. Parce que tout le monde, je ne vois pas pourquoi vous auriez pas vu. Vous allez peut-être laisser le juge peut-être le dire à votre place. Oui, bon, je ne vais pas faire comme vous avez fait dernièrement. Après, c'est sa parole contre la... Votre assurance en prend une partie. Votre assurance à vous, en prend une partie. Oui. L'assurance, non, pour l'instant, elle ne prendra que 6 mois après le nouveau contrat. Comme le nouveau contrat, on l'a pris à... Mais là, c'est la commune, l'assurance de la commune qui va payer. Non, c'est la commune. Donc là, c'est une attaque sur les délibérations qu'on a prises là-dessus, sur un défaut, qui attaque que la commune n'a pas envoyé le documentaire, donc qui met clairement en défaut tout ce qui a été jugé ce jour-là, c'est ça? C'est ça. Alors, l'avantage de ça, c'est que depuis, j'ai mes convocations dans les délais légaux. Ce qui me permet, j'ai jamais vu ça. D'aller voir les gens, incroyable de voir discuter avec les gens. Incroyable. Toujours. C'est ça en fait. Autant de mauvaises. C'est le fait de pouvoir aller voir les gens, les habitants, de distribuer effectivement et de discuter avec eux sur l'ordre du jour. Si vous ne respectez pas ce délai, j'ai pas le temps d'aller voir les gens discuter avec eux sur l'ordre du jour. C'est ça en fait le but. Ce qui est dommage quand même, c'est que ça met en porte-à-faux un membre du conseil. Et quelque part, après, ce sera à la justice de trancher. Oui. Mais je pense pas qu'il y ait eu de négligence ou de légèreté de la part de la personne en question. Juste un titre d'information pour moi. Donc là, c'est le dépôt de plainte ou votre plainte, donc là, elle a été faite quand? Tu dis quoi, Jean-Marie? Il y a déposé plein de plans sur ce dossier-là. Dans les 2 mois, président. Oui, dans les 2 mois. Oui. Deux mois, c'est délégué. D'accord, et depuis ce temps-là, vous avez dit que vous avez reçu dans les temps. Ah, moi, j'ai envoyé. Moi, j'ai envoyé plein de plans, c'est juste la fin. C'est ça, oui. Moi, après, par titre d'information, je constate que je reçois du courrier au mois d'août pour dire qu'il y a des habitants qui ne reçoivent pas forcément leur lettre de convocation pour un repas et que du coup, il y a aussi du courrier en retard. Mais c'est facile de dire. Non, mais moi, je constate. Je dis pourquoi. Il n'y aurait pas à tout mélanger non plus. Vous avez un repas pour un repas. Oui, est-ce qu'il y a des dates pour ça? Bah, si, par exemple, il y a marqué en gros, comme quoi, il y a une réponse exigée pour le tel. Pour la boulangerie.
Non, c'est pour le repas des anciens. Quand on l'a lancé, il y avait bien deux mois pour répondre. Non, c'est pour le repas des anciens. La lettre, elle a été faite le 3 août. Oui, mais jusqu'à la veille, je prends l'inscription. La lettre, elle a été faite le 3 août. Les gens, soi-disant, ont reçu ce repas le 20. La mairie étant fermée le 20, ils n'ont pas pu donner un. Ah oui. Non, mais voilà, je dis pourquoi. Pourquoi un habitant n'aurait pas besoin. Si, si, si. Mais ça qui est, c'est lui, ces papiers-là, c'est les cantonniers, je crois. Ça reste c'est remis directement par. Enfin, il n'y a que nous qui les avons, les convocations. C'est remis par les. Les convocations, c'est. C'est pas les convocations, c'est un repas. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. C'est pas nous qui le distribuons, c'est des fois. Je vous avais dit simplement, je vous avais indiqué qu'il y avait plusieurs moyens pour pouvoir être confortable pour tout le monde. Bah, le meilleur moyen, c'est un envoi par mail. C'est tout bête, on est largement dans les temps. Alors ici, on a toujours l'habitude de prendre le conseil au dernier moment. Et on a toujours plein de raisons pour ne pas avoir au dernier moment. Ça, c'était un problème dès le départ, qui vous a été signalé il y a un an et demi. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on est toujours prévenu 3 jours avant? Il faut être réactif aussi, quand il y a de l'actualité, il faut traiter tout de suite. La légalité, 3 jours avant, c'est 3 jours avant. En plus, je crois que c'est le fait pour une banalité de cas exceptionnel. C'est pas mal aussi. Et pour recadrer un petit peu. Le fait de donner les convocations 3 jours avant, c'est exceptionnel? Depuis un an et demi, ça a été la généralité? Je crois pas. Ah, ben, dans la boîte aux lettres. Bah, moi, on n'a pas eu le même traitement, apparemment. Non, votre boîte aux lettres, elle m'intéresse pas trop. Bah, justement, regardez un petit peu les délais qui sont dans ma boîte aux lettres par rapport aux vôtres. Ils ont été un peu différents. On distribue tous le même jour. On part avec nos liasses et on fait la distribution. T'es un huissier pour donner une convocation. Ouais, j'ai encore des frais. De toute façon, ça va mieux. Alors, c'est Tony Bachelet, je veux bien que vous ne vous écoutiez pas, mais par envoi par mail, c'est tout à fait légal et c'est par ça qu'on prendra tout le monde. Et si vous avez un problème de téléphone, vous n'avez pas votre convocation? La mauvaise foi que vous mettez en œuvre, quand vous dites par mail, c'est fabuleux. C'est exceptionnel. Le mail donne un avis de réception. Non mais attendez, écoutez, vous avez le même comportement qu'il y a un an, mais c'est parfait. Mais continuez comme ça, c'est très bien. Mais nous, on a le même comportement. Mais j'ai envoyé les documents que je vous ai envoyés, vous ne vous avez jamais répondu. Je les ai fournis aussi à Babette. J'ai reçu une lettre d'une dame par rapport à cette délibération. Madame Morgane Berger. Vous êtes dans le sujet qu'on était. Bon, là, par rapport à cette délibération, oui, monsieur. Monsieur, madame, j'ai pris pour ce conseil du 22 septembre, qui à l'ordre du jour, vous parlez de frais de justice. Je vous informe par ce courrier que je me refuse, une fois de plus, à devoir régler des frais de justice pour des choses qui ne me concernent pas. Je pense qu'il est temps que monsieur le maire ou la commune assument les choses qu'on leur reproche, sans faire payer ses habitants. Vous en souhaitant bonne réception. C'est très bien, parce que moi, ça fait quand même 26 ans que je suis élu. J'ai jamais connu une seule fois un conseiller mettre la commune au tribunal. Vous faites partie des exceptions, moi-même. Vous faites partie des exceptions. Je crois que dans cet environnement où on dit qu'on ne va pas respecter toutes les lettres, toutes les lois à la lettre, effectivement, c'est exceptionnel de vouloir effectivement avoir un peu d'or. Ça, c'est sûr que. Ça doit vous sidérer. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent que la commune prenne les 2 000 euros? Ok. Je m'abstiens. C'est contre ou abstenir? Abstenir. J'ai demandé contre. Ah, contre, excusez-moi. 3. 3 contre, 1 abstention. 2 abstentions. Et le reste, vous votez quoi? Mathieu. Après, autre chose. Là, c'est moi qui ai mis M. Gilles au tribunal. Donc, il va y avoir des frais aussi. Parce que la dernière réunion, quand il s'est permis de faire une cage avec des dames, c'est prendre les habitants de la commune pour des dames, je n'ai pas accepté. Donc, je l'ai mis au tribunal, M. Gilles. Et il n'y a pas que ça, parce qu'on sait très bien. Et donc, là, il y a des frais de huissier qui sont intervenus sur votre. Vous savez très bien. Et qui s'élève à 1214 et 325. Et les frais d'avocat suivront. Cette action a été faite en votre nom propre,
absolument pas au nom de la commune. C'est la donc vous serez dans l'illégalité totale de faire voter. C'est pas grave que vous soyez dans l'illégalité. Non, non. Apparemment, c'est une habitude, effectivement. Vous êtes dans une totale illégalité de demander au conseil municipal de faire voter ces frais qui ont été faits en votre nom propre. Vous m'en remettrez une fois de plus. Je ne m'adresse pas à vous, mais je m'adresse au conseiller. Mais si vous arrêtiez de parler à moi toujours en fonction des tribunaux, il y en a marre, on peut régler les problèmes sans tribunal. Et il y a encore une autre affaire à suivre pour les adjoints. Ça va venir aussi, ça. On va peut-être parler une par une. Non, non, mais je le dis, ils avertissent quand même les conseillers. Il y a aussi les adjoints qui s'agissent. Ça sera totalement illégal de voter vos frais. C'est pas possible. C'est pas mes frais, c'est la commune. Moi, je défends la commune. Non, monsieur. Je défends la commune. Regardez. Mais c'est pas grave, je vais faire voter les gens. C'est pas vrai, c'est faux ce que vous dites. Je vais faire voter les gens, vous avez fait l'action en justice en votre nom propre, monsieur. Mais pas au nom de la commune, monsieur. Vous faites comme d'habitude. Vous mentez encore une fois, monsieur. Mais c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est pas grave. Les gens seront là pour juger, c'est tout. La justice, non, toujours. La justice jugera. Et voilà. Pardon, là, il y a 1700 euros en plus à prendre. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ? Ça va durer combien de temps ? Ben, je ne sais pas, c'est à prendre, c'est à prendre. Trois contre, des abstentions ? Deux abstentions ? Trois abstentions. Donc le reste, quoi ? Voilà. C'est bien. Parce que si vous attaquez tout le temps l'un l'autre, vous n'en sortez pas et c'est toujours le reste si vous payez. C'est pas normal. Non. Il ne faut pas continuer comme ça. Non. Parce que quand c'est comme ça, là, il y a des dommages. Il va y avoir des dommages. Ah oui. Mais il y a des dommages qui va les retoucher si. Pourquoi pas ? Ça sert à rien. Ça sert à la commune. Quand on ne peut pas faire autrement, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? La communication. Hein ? La communication, le respect de chacun. Voilà. Ça fait un an et demi que je respecte. Elle, madame, c'est incorrect. Votre attitude est incorrecte, madame. Respectez les conseillers, madame. Respectez-les. Vous voulez vous parler de la vérité, déjà ? C'est inqualifiable ce que vous avez. C'est inqualifiable pour vous. Même là, vous nous faites un avis d'enfer. Même devant mon mari. Quoi ? Tu peux lui dire, ben, je sais même pas comment elle s'appelle. Hein ? Tu sais très bien comment je m'appelle. Et je trouve ça complètement. On est là pour parler, communiquer, bon, et c'est complètement fermé. Alors là, disons que ça va pas. Oui, mais pas vos grands-pères. Bon, on va la suite. Et la gage. Alors, j'avais reçu une lettre de M. Marcel Chouquet il y a le 10 juillet. Suite à notre entretien concernant la propriété de M. Barbotte, je reviens vers vous pour des raisons de nuisance. En effet, depuis une dizaine d'années, je me suis battu avec M. Barbotte afin d'obtenir de lui qu'il fasse l'entretien de son père, notamment les lagages de tout, ces herbes qui sont arrivées à une hauteur extrême. Seule autorisation de sa part et lagage un tueur au pignon de ma maison, auquel j'ai coupé 9 mètres en hauteur, sur 10 têtes, tout ça à mes frères. À mon arrivée à Beauvoir, il y a 34 ans, ce parc n'était que des petites plantations. Maintenant, c'est devenu une forêt, avec une végétation dominante de 25 à 30 mètres de haut, qui me prive d'ensoleillement une bonne partie de la journée, ainsi que des feuilles et aiguilles de sapin en permanence dans mes gouttières, et sur la terrasse pour camp de l'humidité sur une partie de la maison. Aujourd'hui, l'immeuble étant propriété de la commune, je m'en réfère à vous, monsieur le maire, pour vous redonner la lumière, comptant sur vous. D'accord, alors là, parce qu'on avait eu une lettre de Madame Renaud à l'opposé. Voilà. Donc, on a refusé. Vous avez dit que on n'avait pas refusé. Vous avez dit que je fasse faire des devis. Oui. Donc, là, j'ai fait faire des devis. Oui. Donc, c'est pas refusé. Ah. Il faut attendre. Je ne pouvais pas faire des devis avant d'avoir accepté qu'on fasse quelque chose. Vous étiez contre le fait de le faire, mais vous avez accepté que le conseil municipal il y a quand même des moi, justement, si je fais contre quelque chose, mais j'accepte le retour de moi, je dis oui, vous le faites. Je l'accepte. Pourquoi vous attaquez directement ? Là, on parle juste d'une action qui a été décidée, de faire des devis, on parle de faire les devis, on en discute, et voilà. On va parce que là, ça fait 3 mois qu'on attend. On a les devis, on peut en parler encore pendant 10 ans. On parle pas de. On n'en parle pas pendant 10 ans. On disait qu'on devait le faire. On disait qu'on devait le faire avant la mauvaise saison. Il y avait des éléments qui permettaient de faire en sorte
il y avait des éléments qui devaient faire en sorte que c'était la guerre qui devait arriver à un certain moment de l'année par rapport à la sève des arbres. Non mais... Ben justement, là, c'est le moment. Ah, c'est la période. Donc là, il y a un devis qui donne la préfonzée. C'est bien. Donc je vais faire deux devis par deux paysagistes de la commune. Donc il y a un devis entreprise TVNet, Mathieu. J'ai fait faire un devis aussi, pendant que j'étais avec eux, pour les tilleuls qui sont au Montréal, au Calvaire. Vas-y, tilleul immense, qui cache tout. Alors monsieur Thévenet, pour ça, demande 1410 euros pour les tilleuls du Calvaire. Tous les tilleuls. Juste pour les tilleuls. Et faire quoi, du coup on fait les tilleuls fait comme il avait fait 14, comme ça avait fait 14 ans, il est là, on va rattraper. Non, pitié, il aura des têtes. Il y en a combien de tilleuls? Non, il met 9 tilleuls, il y en a 9. Et EURL, les jardins Bréon, c'est Johan Equet. Lui, il est à 1090 euros. Et ça, c'est que pour les tilleuls. C'est que pour les tilleuls. 1410 et 1090. Ah, 1410 et 1090. Au niveau du calvaire, le problème cette année, c'est qu'on ne voit plus. Bah oui, c'est justement ça. C'est pas le tilleul qui est en poussant en dernier. Ah non, c'est l'entretien. Ah bah oui, parce que ça, forcément, mais. Tout le monde est fait. Il faudra faire comme ils font dans les côtés. Non, mais là, le calvaire, on voit. Cette année, on l'a pas vu. Justement, si on le fait faire, c'est pour ça que je ne c'est pas les tilleuls qui ont poussé cette année. Ça n'a pas été fait cette année. Bah non, ça fait 14 ans qu'ils ont fait. Non, je parle de l'entretien à la base. Il est en retour, c'est pas le. Tu vois? Il est bien plus haut que la végétation. C'est les arbres qui cachent tout. C'est les arbres qui cachent tout. Moi, je pensais qu'il faudrait peut-être faire travailler l'autre personne qui n'a pas encore travaillé sur la commune. Qui c'est Mathieu. Et après, il y a combien là pour bon, alors, monsieur Equet a dit qu'on fasse cette gueule-là. Moi, je vais faire une devise, vous êtes d'accord. Oui, oui. Bon, là, maintenant, je pense qu'on peut choisir l'entreprise, tout de suite, pour les tilleuls. Il faudra peut-être faire parce qu'il y a deux devis différents. On a 1090 et on a 1410, voilà. Il y a 1410. Mais non, il y a 300. 1410, il y a 300, il y a 400 euros. Et pour les mêmes prestations Non, il y a 300. Oui, oui, c'est les mêmes prestations. Ouais. C'est pas mal. Quels sont ceux qui sont... Après, par rapport aux deux... Mais le devis, c'est le contraire. On va travailler les deux. Attendez, à ce moment-là, je vais vous dire le tarif des deux. PRL, les jardins de Vrayon, Johan Equet, il est à 4200. Ça, c'est pour le... Pour... Je vais vous expliquer après. Non, c'est pour le journée de tarif. Et M. Thévenet, il est à 3620. Ouais. Bon. Bon, bah voilà. Alors, démontage, ça c'est un truc qui est démontage et abattage des tuyaux le long de la maison de M. Chouquet. Adresse petit truc, comprenant le broyage des branches et évacuation des copeaux. Suppression de deux grosses branches charpentières d'un tuyau. Parce que le tuyau au près de la maison, il y a deux grosses branches. Un jour, si ça casse, ça tombe en plein sur la maison. Mm-hmm. C'est eux qui m'ont conseillé de le faire. Démontage de celle-ci par. Rétention, menaçant la toiture de la maison, broyage et branches compris. Démontage et abattage de tous les tuyaux le long de l'impasse Petite Tru. Renault. Comprenant le broyage des branches et évacuation des copeaux. Démontage dans les PCA le long de l'impasse de la Petite Tru, broyage y compris. Location du broyeur. Tous ces travaux seront effectués dans la propriété de M. Barbot, cité Petite Tru. D'accord. Il y a un délai, 3620, monsieur Thévenet. Un délai d'intervention, je demande monsieur Bachelet. Monsieur Tony Bachelet, je lui ai demandé s'il y a un délai d'intervention. Novembre-décembre. Il doit être dans les délais, parce que novembre-décembre. C'est une création d'entreprise. Alors. Il n'y a pas longtemps qu'il s'est installé. Après, Johan Equet, mais nettoyage du jardin, succession par vote. Élagage, tilleul de la grosse branche, on en parle toujours. Abattage de tuyaux est un épicier à côté de impasse à Petite Rue, abattage de tuyaux, suppression d'un rancier côté M. Chouquet, et broyage des branches. Il broie l'autre n'en parle pas de rancier, mais le saucisse. Il broie tous les deux.
Et le deuxième, il est à 4000. Et quel 4200 Tevenec 3600. Ce sont les arbres qui font clôture. Ce sont les arbres qui font clôture. Pour un grenouille. Il y a un grillage. Oui, enfin, je veux dire, ça passe les amis, quoi. Pour vendre, en vrai, ils vendent. Ah ouais. Ah, mais là, ils vont en tourner rond. Non, mais là, je dis ça. Là, on tourne rond. C'est ça, c'est trop bien. Non, mais bon, moi, je. Alors, bonjour, j'étais presque seul, je ne sais rien faire. Tout le monde était pour. Alors, je fais à Deneville, alors, tu étais pour. Non, 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 mais moi, je parle d'arrachage. Moi, je viens à couper. Non, mais on ne parle pas d'arrachage. Bah, si tu dis arrachage. Non, non, couper. Couper, couper. Délagage. Délagage. Bah, ça va. Abattage. Abattage. Oui. Pas voilà. D'arrachage. Ah, forcément, oui. Si le grillage n'est plus de. Non, ils ne vont pas l'abattre. Oui, moi, je pense qu'il faut faire travailler les deux. À mon avis. Déjà, les deux degrés sont différents. C'est bien, ça, du coup. Prendre le moins cher de chaque. On prend le moins cher de chaque, parce qu'il y a des oppositions. Ils ont l'abstention. Il y a quand même des assurances pour les deux. Ah, ils sont. Ah oui, ils sont déclarés. Ils sont auto-entrepreneurs ? Non, mais il y en a un auto-entrepreneur et l'autre, il est. Il est en ERL. Voilà. EURL. Donc, numéro de CIRES. 1090 et 3600. 3600. 1410, c'est bien de faire travailler les gens. 1090. Il y en a deux dans la commune. Ah oui, on prend un d'un jour qui a l'autre. 1090 et 3600. Moi, celui-là. Et l'autre, oui, c'est la première fois. C'est la grande qui est là-bas au bout. Oui, la grande, monsieur Eke, mais je ne connais pas. Je connais que Mathieu. Ah oui. Tout le monde est d'accord comme ça, c'est bien. Après, j'ai quelques devis supplémentaires. On a refait la salle des fêtes, on avait enlevé la lumière qui était plus au nord, au-dessus de la scène. Donc j'ai fait faire un devis à M. Levasseur, qui, je vous dis, mes projecteurs, mes 5 projecteurs, des lampes LED, des goulottes, le sable, petite fourniture et tout. Ça fait 830 euros hors taxe et 996 euros TTC. On l'a pas déjà voté. On l'a déjà voté, ça ? Non, on l'a pas dans les délibérations. Ah bon ? On avait parlé des prix. On en avait parlé, mais... Et dedans, il y a des postes de l'ancien et remise d'un nouveau, c'est ça ? Hein ? Des postes de l'ancien... Non, l'ancien, il est plus. Il avait été enlevé quand ils ont fait... Tout le monde est d'accord pour qu'on mette la lumière sur la scène ? Il y a des oppositions ? Non. L'abstention. Les bougies. Les bougies. C'est bon. Après, j'ai l'atelier de Flo. Confection d'un rideau de scène de salle de fête. T'as vu qu'on en avait parlé. Donc, c'est quelqu'un qui exerce à Cigier en Braille et à Darnétal. Donc, il y a une tringle de chemin de fer, un manchon, 8 colis coulissants, 8 fers à platine et 15 mètres de tissu de hauteur de 3 mètres. Et c'est du tissu inflammable comme il doit être. Inflammable. Donc, il y en a pour TTC 2071 euros. Ce devis a été fait quand ? Il a été fait quand ? Il a été fait le 18-9. Il est venu avec un jour pour une dimension, on l'a reçu. D'accord, parce qu'il n'est pas à l'ordre du jour pour 2000 euros, on peut pas en faire ce matin. Moi, on peut le passer à la prochaine heure du jour s'il n'y a pas de rideau pour. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis à l'ordre du jour ? Parce que tant que je n'ai pas le devis, je ne le mets pas à l'ordre du jour. Ben, ne mettez pas à l'ordre du jour. Là. Quand vous arrivez à l'ordre du jour, il est clos, il est fini. Le tout, c'est qu'on l'a. Il n'y a pas grand chose à dire. Le Noël, c'est enfant. C'est sur le sol. C'est devant l'avant, pour prendre l'arrêt. C'est à partir de quel montant ça doit être libéré. Je libère. De quoi ? 25 000. Donc à partir de 25 000 euros, une dépense de la commune doit être passée en délibération. Donc là, le problème, il est où alors ? Mais après, quand on va donner la réponse, ils mettent combien de temps et faire un tir. Ce qui serait gênant, c'est que Noël des enfants soit un peu gâché par ça. Très gâché. Ben oui, quand même. Ben, vous n'avez pas l'air d'en avoir conscience, mais bon. Vous ne percevez pas. Oui, je vois ça.
La couleur, c'est quoi? La couleur, la couleur. Bah là, il y a tout ce qu'il faut pour gagner. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Quels sont ceux qui sont contre? Pour délibérer. Pour changer le rideau. Bah, c'est même pas une délibération, c'est un devis. Oui, c'est un devis. C'est une délibération, un devis. C'est une acceptation d'un devis. C'est bien de le dire. Je pense que tu as fait partie de l'ancien conseil, j'ai toujours mis du bon jour. Non, mais je dis pas ça pour ça. Non, mais... Je dis parce que... Non, mais c'est bien de le répéter toujours. Je sais bien, mais je ne dis pas ça pour ça. Je dis parce qu'il n'y a pas besoin de délibération, t'en parles, c'est bien, comme ça, ouais. Voilà. Oui, mais j'ai bien l'avis du conseil. C'est tout, voilà. Bon, moi, je ne veux pas... C'est un changement de temps, c'est bien que t'en parles. Ils sont tous au courant, c'est des affaires, on ne sait pas forcément mettre dessus. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Oui. Une abstention. Non. Non, je suis fini. Je vous passe, vous regardez, il y a deux. Ah, toi, t'as déjà un choix déjà. Oui, nous, là, un peu je l'ai dit, mais. On aurait pris. Vous n'étiez pas parti sur un oui, arbre de l'origine. Oui, il y a eu le bois après mon alcoolerie là. On est là pour choisir. Mais il était d'origine là. Il y a 30 ans. Oui, il y a 30 ans. L'orange, l'orange à la fin. L'orange, C'est difficile.
C'est à nous. Voilà.
Et je vais faire la réunion boulangerie d'ici quelques temps. Ah, moi, mais le problème, c'est que Marcel Chopé doit faire partie, qui a été boulanger, il est parti en vacances. Mmh. Roger Asselineau, mmh, qui a été boulanger, il est parti en vacances aussi. Ça sera fait quand? La prochaine, la commission. Je ne sais pas, parce qu'on rentrait certainement la semaine prochaine. Alors que je vous explique, les deux personnes que j'ai rencontrées, ils veulent savoir à peu près combien on mettrait le loyer avec le logement. C'est deux personnes qui veulent le logement avec le boulanger. D'accord, parce que ce serait bien. Mieux. Mais juste après, ça comprend quoi du coup, le bâtiment, il n'est plus en plus. Non. Ça s'arrête où les limites Ah ben non, le hangar, ils peuvent mettre leurs deux voitures, ces deux voitures à l'abri, mais bon, après, on en mettre. Pour se garder, je pense, pour la poule. Ils font des tournées Oui. Il y en a un qui fait des tournées, il y en a un qui ne ferait pas de tournée. Ouais. Il y en a un qui est fait sur les Beauvoirs. Il y en a un qui est fait sur Beauvoir, le boulanger de notre marché. Je regrette. Enseignez-vous bien. Oui, mais, oui, mais c'est pas parce qu'il est en place. Celui qui veut faire les tournées, à mon avis, il va lui faire la retournée. Enfin, après, ouais, 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 il suffit qu'il y ait la qualité, et puis voilà. Oui, s'il y a la qualité, ils sont boulangers. La tournée représentait la moitié du chiffre d'affaires. Ils sont boulangers actuels ou ils ont déjà à fond? Alors, il y en a un qui est boulanger pâtissier à Forges. Il mettrait son fils en route, là, pour voir. Le deuxième, c'est Pagès Pierre et Dupupé Ludivine, boulangerie de Beauvoir-en-Lons, photocopie des diplômes et listes non exhaustives des produits proposés. Monsieur, suite à notre entretien téléphonique, je vous transmets donc mon projet vis-à-vis de la boulangerie de votre commune. Nous sommes un jeune couple possédant des diplômes et l'expérience requis afin de pouvoir gérer une entreprise telle que celle-ci. Diplômé du lycée Georges Baptiste à Canteleu, nous avons chacun notre diplôme de CAP boulanger, ainsi que celui de CAP pâtissier. De plus, j'ai également obtenu mon bac pro boulangerie pâtissier dans ce même lycée. Nous sommes véritablement motivés à redonner vie à cette boulangerie. Nous ne doutons aucunement pouvoir réussir à gérer cette entreprise. De plus, nous avons de nombreuses personnes prêtes à nous aider dans cette démarche, que ce soit dans le travail, en vente ou encore pour la livraison. Les heures de travail ne nous dérangent en aucun cas. Nous sommes prêts à nous investir autant qu'il le faut pour y arriver. Ayant travaillé dans différentes boutiques sur Rouen et ses alentours, après l'obtention de mes diplômes, ainsi que sur Bourg-en-Alembray, durant mon apprentissage du métier. Il est sûr que nous arriverions à gérer cette boulangerie aussi bien que n'importe quel autre professionnel. Pour ce qui est du projet de la boulangerie, nous avons l'intention de développer au maximum son potentiel, en commençant par produire des produits de qualité, tels que la tradition française ou encore le pain de campagne. Divers pains spéciaux seront alors ajoutés au magasin afin de permettre aux clients d'avoir un plus large éventail de produits. En nous basant sur les goûts des clients, nous pourrons ainsi identifier les produits les plus adaptés à la vente et donc réaliser un bénéfice assuré. Nous avons l'intention de nous impliquer également dans les événements de la ville et de ses alentours en fournissant tout ce qui est nécessaire au niveau de la boulangerie-pâtisserie. Si des tournées avaient été mises en place, celles-ci continueront bien entendu d'être faites si les personnes en bénéficiant veulent bien être fournies par la boulangerie. Du côté de la pâtisserie, nous proposons bien évidemment les produits de base tels que la pâte à choux, entremets chocolat, macarons et autres pâtisseries individuelles, mais nous inclurons également des entremets se basant sur les produits de saison. La viennoiserie seront bien sûr bien intégrés à la boutique, car ils représentent une partie importante pour la vente du matin. Les clients pourront passer les commandes pour des événements tels que des mariages, baptêmes, anniversaire. Les livraisons pourront être organisées. Des sandwichs et pizzas seront également proposés aux clients, ayant pour but de satisfaire les clients en nous assurant de la qualité des produits que nous proposerons. Tous les produits seront réalisés sur place, donc il n'y aura aucun produit surgelé. Pour ce qui est du moulin, nous avons déjà travaillé avec plusieurs
d'entre eux, tels que les moulins Paul Dupuis, Bennett, Festival, Délice d'Auguste, Pain-Neuf, ainsi que la minoterie Viron. Nous disposons donc d'une certaine expérience avec leurs produits. Pour les autres produits, les sociétés Solibo et Goujon, Bacorop, seront suffisantes pour subvenir aux besoins de l'entreprise. Toutefois, pour certains produits tels que les œufs, le lait ou les fruits, nous avons l'intention d'utiliser les produits des fermes et primeurs locales, dans l'attente d'une réponse de votre part, vous pouvez l'agréer. Voilà. Les œufs, c'est Malheureusement, les arguments sont magnifiques, mais la réalité, c'est qu'il faut 1500 habitants pour faire une boulangerie, il y en a 600 à Beauvoir. Mais il y a les boulangeries avant le dîner, bah oui, on a le problème avec monsieur le roi, c'est parce que les boulangeries, ça leur permettait de rebondir justement, de faire de l'argent et en acheter d'autres ailleurs. Là, il y a eu un souci, bon, c'est malheureux. Mais... S'il nous fait des bons croissants beurre, c'est bon. Et puis, ça va pas tourner, ça rapporte aussi, on dort tout ça. La mer est très belle, mais... On a dit, voilà, ça fait 8 mois qu'on a nommé une commission boulangerie, elle n'a jamais été réunie, et c'est pas les vacances de plus. Comment je peux réunir une commission boulangerie avec des boulangers qui venaient et puis ils achètent parce qu'ils se renseignaient au banc, tu ne pouvais pas avoir. On vous a justement indiqué qu'il fallait en amont faire une étude avec la chambre de d'artisanat et de commerce, il fallait voir l'institut de la boulangerie pour préparer un projet, pour ne pas foutre quelqu'un dans la merde. C'est pas pour moi, c'est important, notre on a notre responsabilité en fait. C'est la théorie. Non, c'est des aides pratiques, c'est des gens qui vont vous aider à avoir des investissements pour les gens. Mais je pense qu'ils ont dû faire les démarches. Sinon, les banques, ils sont dans le même truc. Faites confiance un peu de temps en temps. La confiance, ça va sur un travail en amont, monsieur Bultet. Mais systématiquement, chez vous, c'est. Vous discréditez. Systématiquement, je demande est-ce qu'il y a un travail en amont par rapport aux décisions qu'on prend en conseil, tout simplement. Écoutez, là, on est en train de parler du cas de deux jeunes qui veulent s'installer. Vous émettez encore des doutes. Moi, je trouve que déjà, il y a une volonté. Pardon ? Moi, je démissionne, je suis missionné. Pourquoi c'est un choix de compliqué du marotier? Non, parce que je rajoute un peu ce que Olivier dit, et puis moi je me suis déjà, j'ai déjà fait des réflexions sur le fait que la commission s'est jamais réunie. Donc maintenant la commission s'est pour rien, on le sait là. Mais comment tu veux régler la commission quand on n'avait pas de boulanger en face de nous? Mais c'est pas de toute façon vu le marotier à la commission. Mais tu dis pas que ça passe pas parce que j'ai passé le mais il n'y a jamais eu une réunion de fête jusqu'à avant, il n'y a jamais eu. Mais tant qu'on n'a pas de boulanger, comment on peut faire une? En plus, on va. Alors, en plus, moi, je vais te dire autre chose. On va aller chercher. Là, il y a des gens, c'est des gens d'ailleurs, ça. Mmh. Est-ce qu'il y avait des gens sur la commune qui étaient. Qui c'est moi, j'ai proposé. Est-ce qu'il y avait des gens de la commune qui s'étaient proposés pour faire ça? Non. Oui. Bah, chut, on va arrêter. Mais il n'est jamais revenu. Bah, pourquoi? Bon, on va pas en parler. Bah, voilà, donc. Alors là, c'est quand même deux personnes expérimentées. On des années d'équipe derrière eux. Mais dans la mort noire, en plus, je ne sais pas. Ah oui. Après, les autres de France. Les autres de France. Il ne s'agit pas de dire oui ou non à ces gens-là. Il ne s'agit même pas de choisir en face de l'un. Ce n'est pas notre job ce soir. Je pense que sans les tournées, ce sera les tournées. Avec tournées, ce sera plus compliqué. Les gens disent, les gens qui n'ont pas de voiture, qui veulent avoir les tournées. Là, on a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture. On va revenir sur le loyer. Parce que ces deux personnes-là, le loyer. Est-ce qu'il y a une possibilité de, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, hein, de faire 3 mois gratuits et après tout à petit, je sais pas. Même un mois. Mais voilà, je pense qu'il faut partir pour les temps qui s'installent. Je pensais à ça. Donc là, avant de lancer, il y a toujours la partie rénovation du bâtiment. Oui. Oui. Il y a four et il y a four. Pour s'en prévisionner, oui. Il faut changer. Non, non, mais ça va. De toute façon, c'est surtout pour voir le loyer dans le sens. Donc là, l'idée à la fin, c'est pas vrai. Parce que là, ce sont deux personnes qui savent très bien le prix du matériel d'occasion. Ils savent l'emploi qui s'engage. Et bien, c'est à nous, communes, de faire l'installation, de remettre les locaux aux normes. Oui, c'est ça. L'électricité, tout le monde sait comment il va prolonger. Donc
peut pas déterminer un loyer si on n'a pas un bah, bon, devis des travaux de gros œuvres. Ah, mais ces gens-là, on va tourner en rond, parce que ces gens-là, ils ne s'engagent pas tant qu'ils... Ça fait 8 mois qu'on en a un par rapport à certains des artistes. Ça fait 8 mois qu'on demande de faire faire des billets pour le gros œuvre. Oui. Vous allez demander pour le... Oui, il y a un qui est déjà venu. Et seulement, il faut que ça suive, c'est pareil, on ne reçoit pas. Les gens, ils... Mais de toute façon, on va tourner en temps rond. Parce qu'on ne va pas s'engager à refaire la boulangerie si on ne trouve pas de boulanger. Non, mais ça se fait en même temps, mais quand t'as... Oui, mais là, on a deux boulangers en face. Ils sont prêts à attendre 6 mois, 8 mois. De toute façon, le temps de faire le temps. Mais par contre, eux, ils veulent savoir combien ils ont envoyé. Si tu fais 180 D'abord, on va s'en traiter par rapport à utiliser le prix des travaux. Non, c'était une interdiction. C'est pas son problème, mais le revenu ne parle pas. Actuellement, on va s'en prochain. On se dans la page de l'habitation. Il faudrait faire appel de toute façon, il faut faire un prix dans le commerce. Ça va être intéressant de savoir quel est le loyer qu'on pourrait. Sur le commerce, il y a le logement. Oui. Est-ce qu'on serait pas mieux de faire... c'est une proposition, hein. C'est pas... Simplement de gratuité. Non, j'allais dire faire un loyer normal sur le logement. Et puis fonds de commerce, dire bon, on a un commerçant à vouloir. Il faut qu'on ait un avis d'expert comptable fiscal pour savoir ce qui sera plus intéressant pour la personne qui débute avec des charges. Oui, il faut faire des choses sur lui faire pas forcément la 100%, mais pour le commerce. Que le jour que le gars espère, ouais, il a qu'un seul loyer, c'est qu'un petit reste d'affaires. Au moins, ça ne met pas dedans quand on est solidaire. Moi, j'ai connu le truc. Attention. Il faut bien faire gaffe à ce qu'on fait. Enfin, monsieur Gilles, vous disiez tout à l'heure que la commission boulangerie ne s'est pas réunie. Moi, j'ai le souvenir d'avoir nettoyé la boulangerie avec vous. C'est pas pareil que juillet, c'est pas pareil que demander un avis d'expert, comme elle venait de demander à la chambre d'artisanat, pour monter un projet, pour accompagner quelqu'un. Je renie pas le fait d'avoir nettoyé le sol, c'était un vachement important. Mais après, derrière, il y a du boulot à faire, sérieux. Quoi. Ouais, mais c'est pas forcément. Non, ça veut pas dire que c'est pas sérieux. C'est le boulot du repreneur, c'est lui qui va s'investir. On a une commission pour ça. On a une commission qui permet de. Ouais, mais lui, il va être capable de contacter des boulangers. Maintenant qu'on a la substance pour travailler, on va peut-être pouvoir se réunir. Il va statuer si tu dis pas dans l'avenir, il y aura tout ça à payer. Monsieur Postel, il connaît la chambre de commerce. Alors, par contre, pour l'instant, qu'est-ce qu'il demandait? Une fourchette de prix, ou qu'est-ce qu'on aurait l'intention de faire avec eux? C'est-à-dire, chez quel prix, ça serait déjà faire de loyer, peut-être habitation, et peut-être fonds de commerce. Après, actuellement, une fourchette n'est pas un engagement, mais on peut savoir vers quoi on peut s'attendre. Et après, on se renseigne vraiment si les estimations qu'on a faites sont justes. Donc, moi, oui, pas se statuer, c'est pour qu'on puisse avancer. Ou quel geste la mairie peut faire pour eux pour les aider à avancer? Parce que je crois que ce serait bien quand même d'avoir à peu près l'idée de quelqu'un. Est-ce qu'on fait la première année, on ne fait pas payer ça? Ou est-ce qu'on fait payer sur un pourcentage qui rentre les bénéfices, ce genre de choses? Alors malheureusement, il y a des normes légales, je suis encore là pour ça. On ne peut pas faire un loyer gratuit comme ça facilement parce qu'on est une mairie. Il y a un tarif, les idées, parfois on pourrait partir. Après, on peut se renseigner sur tous les aspects derrière. L'idée principale, c'est de se renseigner. Mais là, ils veulent déjà par rapport aux domaines. Mais les domaines vont vous imposer aussi une fourchette par rapport au prix au mètre carré. C'est pas nous qui allons. La chambre d'artisanat pourrait vous dire, bah voilà, faites plutôt ça, etc. Enfin, vous voyez. Ah, oui, ils ne vont pas nous imposer, ils vont nous conseiller. Je crois que c'était 500 euros. Combien ? 500 euros. Le tout. Par contre, on a une chambre d'artisanat et on a trois boulangers dans la commission. Eh bien, ça ne sert à rien par rapport à cette question-là. On va les réunir. Oui. On va faire une réunion. Là, d'ici 15 jours, ils seront. Oui, là, on peut débattre. On va y lire la commission, là, d'ici 15 jours, ils vont être rentrés. Même si on la commission, il me faut. Si ces gens-là, ils veulent s'investir, ils veulent savoir combien un loyer. Si on demande 100 euros, si on demande 1000 euros, Il nous faut un fonctionnement normal de la commission. Vous voyez? Nous, de toute façon, la commission, c'est pas elle qui va fixer les loyers. Monsieur Postel, il lui faut un fonctionnement normal. Mais c'est qu'il y en aura le bol, pense pas que la commission, c'est pas elle qui va. Mais si, monsieur, il y a trois professionnels de la boulangerie qui sont dans la commission, monsieur. Ils n'ont pas dit quoi. Vous savez, c'est pas quand même qui va décider du loyer, c'est pas la commission.
sur un. Alors là, là je suis, on en parlera après des fonctionnements des commissions aussi. Ça, c'est intéressant. Hein. Aucune commission n'a le pouvoir de décision, effectivement. On en reparlera. Oui, mais sur un avis, on a trois fonctionnaires de la boulangerie, Denis. Oui, mais je suis d'accord avec lui, il faut qu'ils donnent leur avis. Mais... Quel chiffre on peut aujourd'hui pas sur le loyer. Quel chiffre on peut aujourd'hui donner. Enfin, c'est aujourd'hui. C'est comme les couleurs d'un tissu, c'est pareil, ça sera pareil, ce sera le même niveau de réflexion. Et vous avez des chiffres? Moi j'ai des chiffres, je vous écoute. T'as les anciens de. Oui, les anciens payaient 500 euros pour le tout, en sachant qu'ils n'auront pas le bâtiment, ils n'auront pas le hangar. Ouais, ils n'ont pas le hangar. Donc 500 euros, ça serait quoi? Donc à peu près 400 euros pour le logement et 100 euros pour le fonds de commerce. Ou c'est... Parce que là, il faut bien dissocier. Hein. Aujourd'hui, si on n'a pas beaucoup de clients, je dis pas. Après, c'est pour ça que là, c'est quand même bien que tout le monde est là. Comme ça, si on peut voir les gestes aussi qu'on veut faire, ou qu'est-ce que la commune veut s'engager pour les aider, ou de quelle façon. Je ne suis pas forcément dans la réalité, mais peut-être plus sur les marges qui font ce genre de choses. Il y a plus de temps et ça peut-être même moins la pression. Ça peut être ça aussi. Hein. Nous, dans tous les cas, ça peut refaire vivre un commerce. Donc ça, c'est toujours essentiel, on va dire, sur Après, je comprends très bien que des gens qui veulent se mettre là veulent quand même avoir des fourchettes sur quoi s'engager. Ils s'engagent quand même sur un projet de vie. Voilà, c'est... Et puis, s'ils acquièrent le matériel et tout ça. Donc avant c'était 500 euros, on va dire, pour tout l'ensemble, pour l'ensemble. Dans l'État. Donc en l'air en moins, mais il refait à deux, je pense qu'on partit sur une fourchette. D'abord, si on prend seulement le logement, donc on part quoi à l'État, il y a trois chambres, donc deux en filiale. Oui. Une salle de bain, j'ai un c'est pas ce qui choque le plus. Les deux personnes qui sont venues, c'est pas ce qui choque le plus. Ils sont venus à chaque fois nettoyer aussi. Voilà. Je sais pas. Il y en a un, il n'y a pas d'enfant. Alors il y a trois chambres dans donc deux en filade, puis un salon, salle à manger, une cuisine, une salle de bain, et après c'est fonctionnel. Je propose 500 euros, après on mettra 150, 350, 100, ce serait pour leur dire un petit peu. Même après, si on a appris d'avoir le droit, on a changé combien de pourcents par an? Après, oui, c'est un pourcentage. Ça fait pas beaucoup, non, 13 euros par an, un truc comme ça, pas plus. Non, c'est un pourcentage. Oui, mais sur une base de 500. Sur une base de 500, je crois que ça fait 13 euros, un truc comme ça. C'est correct. Ouais, c'est cher. Mais Mathieu, il trouve que c'est pas assez cher. C'est sorti où? C'est de la rigueur. Parce qu'il a... C'est quoi, 500 euros, c'est trop? Mais j'ai aucune compétence pour le savoir, il faut faire un bilan financier, il faut aller voir les gens, il faut aller voir le banquier, il faut, faut être sérieux. Enfin, le mieux, c'est de rien faire. On est au bord du comptoir. Le mieux, c'est de rien faire. Mais tout le monde le sait. On a des verres dans la roue en permanence. Le mieux, c'est de rien faire. Non, c'est de faire un travail sérieux. Oh, ben oui, simplement. Un logement, c'est un peu vrai qu'il faut bien que... Le mieux, c'est de rien faire, un logement. Mais là, c'est différent, c'est satisfait. Oui, mais... C'est un problème. Toujours chercher une consultation. Mettre un loyer pour le logement et puis mettre un loyer pour la boulangerie avec, comme tu disais, un pourcentage sur le bénéfice, par exemple. Enfin, je ne sais pas. Non, mais c'est dans les propositions. Après, ça dépend. Je ne sais pas approfondir, mais c'est dans l'idée. Voilà, c'est dans les marchés. S'il y a rien, s'il y a rien de différent, comme ça se pose des autres. C'est pas légal. On va essayer de parler d'un cousin qui peut. J'espère. J'ai rien à dire de plus sur ça. Ben oui, t'es pas expert de lire un boulanger. T'es pas expert de lire un boulanger. Après, si jamais on nous dit il faut faire 1000 euros et on sait bien que c'est trop cher. Oui, normalement, les premiers réunions qu'on a fait quand la boulangerie a fermé, vous deviez faire dans la commune les démarches. Enquêter. Savoir ce qui prendrait du pain.
Quand la commission sport, vous en faites partie, vous avez fait quoi, commission sport, comme les autres? Vous voulez faire tout, mais seulement il y a rien qui suit. Oui, mettre des trucs sur Internet, ça, vous savez. Là, sur le discours, c'est tout le monde. Discours d'opposition, Non, mais vous savez faire que ça, sans permanence. En pratique, sur la boulangerie, ça va pas nous aider, ce que vous venez de dire. Hein. Ça va quoi? Ça va pas nous aider. Hein. Ça va pas. Ça va pas nous aider pour choisir le loyer. En plus, pour moi, c'est mais pas une question. C'est pas le problème. Vous c'est pas le problème. Monsieur Jean-Marc, attends d'après. Ouais, c'est ça. Plus c'est long, moins c'est cher. Et donc, c'est. Je ne pas beaucoup de temps. Vous voulez voir un bon tout ça. Oui, non, mais ça, c'est. Oui, je comprends leur demande urgente, mais on met la charrue avant les bœufs. C'est tout ce que je veux dire. Ils n'ont pas de demande urgente. Ils ne sont pas 6 mois et 8 mois de prêt. Si je vous dis qu'il y a une demande urgente. Eh bien, à ce moment-là, tout va bien. Non, mais il demande un renseignement. J'aurais demandé, j'aurais dit, envoyez-moi quelque chose de. Voilà. Mais ça se trouve, on peut faire mieux. On peut leur donner le loyer que payer l'enfant. C'est ça, c'est ça. Ça leur donne une idée. Après, voilà. On continue les démarches, puis après, le jour J. Ils sont juste demandé une fourchette. C'est un petit peu comme moi, je trouve pas normal de demander aux habitants de s'engager pour acheter du pain. Parce que s'il n'est pas bon, on ne va pas les ébrouiller, ils n'achèteront pas leur police. Ah, bah ça paraît évident. Mais c'est partout. C'est sous-entendu. La question, il y a quand même ça dedans. De façon parallèle, je trouve ça un petit peu incohérent de s'engager dans un loyer. Effectivement, on peut donner comme référence le loyer antérieur. Mais avec les grosses offres qu'on va faire, avec le conseil de. Mais c'est le prix de la rénovation qu'on peut mettre dans le. Ça paraît de la prudence. Attendez, vous voulez qu'on avance et puis en même temps, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. On va jamais. On a payé pour restaurer la maison déjà. De toute façon, on l'aurait fait, parce qu'il n'aurait pas dû la louer. On n'avait pas laissé des bâtiments comme ça inhabités. Donc, on devait retaper la maison. C'est pas spécialement pour la boulangerie, on devait le faire. On va pas laisser la maison, c'est pas des blocs. Vous comprenez? Et après, bon, c'est mieux si vous avez des boulangers. Vous voyez, même le sondage de cet été, vous critiquez. En fait, on ne sait vraiment plus où aller. À mon avis, on prend trop d'importance à votre avis. C'est peut-être ça. Je pense qu'on a tendance à un peu se focaliser sur votre prise de parole. À un moment donné, bon, ben... Vous savez largement ce que la prise de parole soit dans les points. Non, parce qu'on est pour vous, on les écoute. Je vous rassure, alors ça vous voit pas si bien. Je connais pas trop. Moi, je le sais. Après, question d'hiver. Est-ce qu'il faut lever la main ou pas? Non. Ouais, c'est juste une info. Non, c'est surtout une info pour que moi je puisse la transmettre. Moi, c'est mon point de vue, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Je souhaite simplement qu'on spécifique que le loyer était avant de 500 euros. Voilà. Comme à l'époque, voilà. Ça marche, c'est ce qui sera marqué sur le compte rendu. C'est ce qui sera marqué sur le procès verbal. D'accord. Et vous allez d'accord. Là, je vais la communiquer. Je vote pour. Est-ce qu'on est obligé de marquer ce que l'ancien propriétaire voit sur le. Est-ce qu'on a le droit déjà? Vous voyez que c'est pas ce qu'il allait être marqué sur le procès verbal. Je le savais. Non, mais est-ce qu'on a le droit? Votre mère a des ressources, elle est inépuisable. Mais je suis. Moi, ben. Allez, vous avez un signe de droit non plus. Non, mais. Non, on s'en sort. Non, mais vous venez ce qui va être marqué. C'est pas ce que vous venez de dire. On peut même moi, ça me fait pas sourire. Clairement, c'était 500 euros et qu'on aurait dans l'idée d'avoir une prochaine dans 500 euros. Bah, moi, je vote contre. C'est parce qu'on n'a pas du tout de connaissances financières par rapport à ça. Je vais vous opposer. Oui, à cette projection, à la projection de 500 euros pour le futur bail. On n'a aucun élément. Bah, c'est ça.
Je vais poser une question. Vous voulez donner le logement gratuitement ou vous voulez étouffer le prochain boulanger carré? C'est ça. Si on dit. Donnez-moi une réponse. Donnez-moi une réponse. Je souhaite. On fasse un bon job. Vous voyez, c'est peut-être pas, il est peut-être pas à la hauteur des travaux. C'est pour ça que je m'attends. Les travaux, ils ont fait de toute manière. Les travaux. Oui, pour n'importe quel locataire, il fallait faire des travaux. Donc qu'il soit boulanger ou pas boulanger. On restaurait. On avait dit, ça va pour les amis de donc on pouvait faire des travaux. Bon, on va passer à autre chose. Quelle est la résolution qui a été votée? Il n'y a pas eu, on a dit tous aux environs 500 euros. Non, moi je compte. Vous êtes contre, c'est pas grave. Il n'y a personne d'autre qui est contre? Parce que je ne sais pas si tiens. Oui, mais tu dis bien pourquoi. Hein? Bah, pour 500 euros, ce que vous avez pour une fourchette de 500 euros. Ouais. C'est juste qu'on va indiquer oui. Une fourchette. Pour faire bien, on va. Pour plus, c'est une fourchette de 500 euros et qu'à part, on passe sur la commission de l'Angerie qui travaille à un sujet. 500 euros pour 500 euros. Non, c'est une fourchette. Il n'y a pas une fourchette, c'est peut-être plus comme ça, peut-être. Oui, c'est une fourchette autour de 500 euros. Autour, oui. Et puis leur dire qu'il y aura deux. Oui, oui, en deux. Questions diverses. Bon, j'ai déjà une question. Les ralentisseurs, monsieur la direction des routes est venu hier, Denis l'a reçu, donc tu vas pouvoir nous dire un petit peu. Ben, donc, qu'elle a été prochainement. Pour tout ça, il n'y avait qu'un emplacement où elle met. C'est là en face des stèles. Moi, j'ai demandé qu'ils les mettent le plus possible. Devant la salle de fête. Oui, enfin, sur les minutes. Parce que, bon, carrément, bon, les stèles, c'est pas terrible. Ouais. Et par contre, on passe sur quoi donc, parce que là, c'est le seul endroit, c'est le seul endroit où que le trottoir est assez haut, que les gens ne pourront pas se décaler. Se décaler vers la droite. Si tu as sur les trottoirs vers les mois, voilà, pour les bus, bah, c'est plus facile. Ah oui, bah, il y a quand même un truc. D'abord, le coussin berlinois, c'est du provisoire. Avant, c'est comme il y a à peu près sur le même système, je ne sais plus quel bled. Oui, à l'Argueil. Le provisoire à Argueil, il dure depuis plusieurs années. Ils vont faire un montage. Une fois qu'on aura les coussins, ils vont faire un montage, et suivant le montage, ils verront ce qu'on doit faire. Ce monsieur, il avait une compétence pour le domaine que tu as reçu, le monsieur là. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance. C'est le principal, le mode de forme. Non mais par rapport à ce que tu souhaitais toi, est-ce que ça lui a paru adapté? Parce que je suppose qu'il avait un avis lui aussi. Bah lui, non, oui. Le dossier était déjà réuni, il y a eu juste un retard d'implantation. Il obligé de le mettre à peu près à cet endroit-là. Ah, voilà. Parce que bon, le trottoir est haut, hein. Pour pas se décaler, pour se calculer. Mais c'est pas des choses. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Du côté droit. Personnellement, toute la place. T'as pas une gênante. Est-ce que ça gêne pour les voitures parce qu'il y a sur une... C'est ça. Ah, et on ne veut pas mettre. Ah non. Non. Il y a une distance à respecter. C'est complet. C'est le. C'est pas un peu. Ah oui, quand même. C'est le seul point. Bon, après, c'est juste de finir d'être en emplacement et de vite ça gêne. Ils refont un comptage. Avant d'installer éventuellement un plateau fixe. Non, question diverses, non. Concernant les riverains, ils m'ont demandé au livret pour la vitesse encore, s'il y avait eu des contrôles par les gendarmes. Parce que c'est très dangereux encore. Ça a été signalé à la direction des routes, hein, en même temps que quand ils sont venus. Ouais. Voilà,
Ils doivent vérifier s'il y a eu un procès verbal d'établi sur cette route-là, sur cette portion-là, délivrée, à savoir s'il y a un 70 réglementaire. Ouais. Et bah, je dirais que... Toujours pas de nouvelles. Voilà. Voilà. C'est eux qui gèrent. Parce que là, le matin, quand on attend avec les enfants à la RECA, parfois on est obligé de reculer, tellement que les gens ils montent de la marche au diable. Les autres qui arrivent de Beauvoir sur la feuille, on est obligé de reculer, tellement qu'ils vont et ils vont se taper dedans. Hein. Et la haie de madame... la mort à Rayon, ça gêne pour les gens qui sortent. Hein. Comme c'est une priorité à droite, ils sont obligés de s'avancer beaucoup pour sortir. Hein. Herman. Oui, sa mère c'est madame à Rayon, je ne me rappelle plus du nom. C'est pour ça. Et la haie, elle dévance la route. Hein. Donc là, qu'est-ce qui peut... Bah, je ne sais pas, c'est le notaire sûrement. Hein. Il faut que le maire exprime le souci au niveau de la commune, je pense. Non, mais je téléphone au notaire, après, il me dit, il y a une marge dessus. Ouais, je pense. Et sinon, ça pourrait être fait par les Non, c'est pour continuer de... C'est juste au coin ou c'est sur toute la largeur? Non, sur toute la largeur, ça va bien. Ça gagne. Il y a la partie à l'autre. La dame qui est décédée, elle avait retrouvé... Personne. Non, non, non. Et là, le DF est venu couper le courant l'autre jour. Je ne sais pas si vous savez si l'eau est restée en fonction. Après, ça, c'est notre cas, tout le monde. Oui, mais il faut lui dire quand même. On n'a pas vu que là. Oui, il faut lui dire quand même. Les enfants, le courant a été coupé il y a 15 jours. Le seul fils qu'elle est, je ne sais pas. Tu ne fais pas pour nous. Le notaire de chez lui. Il est pour lui. C'est la fille. Et aussi, un habitant de la marche au diable m'a demandé s'il pourrait installer un miroir aussi. À la sortie. À la sortie, oui. Je ne sais pas. Sur la départementale. Ouais. Il faut qu'il fasse vraiment la direction de la route, c'est-à-dire pour lui sortir de sa maison. Non, pour tout le monde là-haut. Hein. Là, ils sont là, ils font un courrier. Tu connais toi, je ne sais pas comment il s'appelle, le routier. Ils font un courrier ensemble. C'est lui qui a demandé ça. A priori, on ne peut pas, les miroirs sont acceptés sur les parties en agglomération à 50 à l'heure. Ah, j'ai regardé un petit peu, il y avait la même demande au Clos-Ferrand par M. Ferreira. Et je me suis renseigné, en fait, si c'est limité à 70 à l'heure, le miroir ne vous permettra pas de voir une voiture arriver vite. Donc ça sera à l'heure, en fait. Donc c'est interdit par la pose de miroir sur une route à 70 ou à 90, etc. est interdite. Je ne suis pas d'après ce que je me suis renseigné. Parce que ça fait plus de mal que de bien. Après... J'ai encore trois petites questions. Après, j'ai une question qui est proportionnelle par rapport à notre adjoint nouvellement nommé à la police des vitesses. En 2011... En 2011, bah oui, parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. En 2011, il y a eu un... Oh, vous allez voir, on se fait de la fête, oui. En 2011, vous avez voté, le fait de se renseigner pour des ralentisseurs au niveau de la rue du Montréal. Est-ce que vous pourriez prendre en charge ce projet aussi, maintenant? Mais oui. Merci. Okay. Ben, faudrait que je vois qui en était. Avec des habitants et tout. Oui, ben, ça serait bien que ça commence comme ça. Et puis, c'est un peu l'enquête de voisinage et puis après on enquête aussi. Je crois que M. Derks avait soulevé le problème plusieurs fois, donc je pense que vous pouvez aller voir. Et puis mon rappel en fin de 5 ans, qu'on a discuté la dernière fois. Déplacer en mettant un supplémentaire. Ouais, parce que. C'est vrai. Honnêtement, on ne s'est pas occupé. Ça arrive. Pour ça, je m'en dis. Je voulais dire aussi à la commune que je ne suis pas la nouvelle présidente du comité des fêtes, comme il a été entendu sur Beauvoir. La personne, avant de parler sur moi, devrait être plus honnête. Voilà, c'est dit. Deux défibrillateurs, ça en est où? On l'a reçu à Tinsel. D'accord. Et la dernière question, j'ai été contactée par Mme Blainville pour le chemin. Le CR31, qui nous a fait visiter, moi, Jenny, Jackie, dernièrement il y a eu Tony et Mathieu. Et moi. Et toi, et on a bien vu des trous, je ne sais pas ce que vous pensez faire, si vous allez mettre des cailloux. Parce que le chemin est bouché, voilà. Il y a une solution à trouver pour Madame Blavé. Alors, ce bois, il fait 30 heures.
moitié plus petit pour celui qui ne sait pas ce que c'est que 30 terres que la propriété Barbotte. C'est un tout petit bois. Il n'y a jamais eu un caillou mis par les anciens. Ce bois est exonéré des taxes d'impôts. Le propriétaire de bois ne paye pas d'impôts. Et nous, il va falloir qu'on fasse des centaines de mètres de caillou. Oui, parce que vous avez respecté votre engagement de 2011 d'entretenir le chemin rural 31 auprès de la préfecture. Oh, que vous avez oublié encore. Encore une chose que vous avez oublié. C'est parti, on l'a là. Alors là, vous inquiétez pas. Alors là, il y a un truc sur la pêche. C'était bien préparé. Oui, c'était bien préparé. Depuis 2011, monsieur Boutel, forcément, vous... Pardon ? Au début, on a parlé de ce chemin-là. Depuis 2004, forcément, effectivement, on a un peu de mémoire. La commune n'est pas quand même quelque chose. 2004. Alors que maintenant, c'est plus ça. Alors, il faut savoir. Apaiser les tensions, mettez un peu de caillou, et puis voilà. Moi, si je préfère à ce qui est marqué là... Je vois mal que le conseil municipal à cette époque-là avait décidé de. D'entretenir. Entretien, ça veut dire quoi? L'entretien, c'est pousser, couper l'herbe ou les... ce qu'on a fait cette année. Là, je veux dire franchement. Oui. Alors, je veux bien que Olivier ait peut-être de mauvaise foi, mais à mon avis, il n'y a pas que lui. Parce que là, on est quand même dans le ridicule. Parce qu'au départ, il y avait des arbres coupés, ça a été dit qu'il y aurait des cailloux mis. La dernière fois, Mathieu et Tony peuvent le dire aussi, ça a été dit. On a même dit l'ordonnance, pas que le mettre sur tout le chemin. Tony avait dit ça. Et là maintenant, on dit, non, ça ne coûte rien, ça rapporte rien, machin. Mais oui, tout le monde a signé. Ah ouais, maintenant c'est bien, je le fais quand même. Je crois pas que c'est ça. Il faut mettre un peu de cailloux, on apaise les tensions, et puis voilà. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a que ça. S'il y a que ça à faire. Mais non, il y a pas que ça. On dit tout le temps ça. Il y a pas que ça. Chaque chose en s'il y a que ça. Ah ouais, mais non, tu nous prends pour des billes, sincèrement. Ah non, pas du tout. Oui, sincèrement, pas ce genre de choses. Ah ouais, tu te fous de la gueule du monde. Dis donc, on nous prend autrement, s'il te plaît. Tu nous prends pour des imbéciles. Parce que ça fait. Pourquoi je te prends pour un imbécile? Ça fait un moment qu'on discute de ce truc-là. Ça fait un moment. Mais non, mais vous étiez d'accord pour mettre des cailloux. C'est histoire de dire, tiens, je vous emmerde. Si vous avez voulu, on ouvrait même pas. Moi, je te dis franchement, toi, c'est chaud. On ouvrait même pas le chemin. Il y avait des années et des années qu'il était couché. Alors, arrêtez, merde, je sais pas, moi. Alors, ce qu'il faut dire, une année de temps, 28 mai 2004, le conseil municipal décide d'inscrire les chemins de randonnée retenus par l'office de tourisme de la Feuillie au PPDIPR. Signature du maire de l'époque, monsieur Imbert. Ce chemin-là, il en fait partie. Vous savez pourquoi, monsieur Boutel? Oui, monsieur, le chemin rural 31 fait partie, monsieur. Vous savez pourquoi on fait ça, monsieur? De randonnée. Pour valoriser les chemins ruraux. Vous savez pourquoi? Pour faire du tourisme. Vous savez pourquoi? Pour faire vivre l'économie. C'est pas une lubie, c'est pas une lubie. Votre politesse, toujours de façade, là, c'est magnifique. Mais concrètement, vous ne faites rien. La leçon de morale, c'est fini? 2004. C'est bon. Ça vous fait, la leçon de morale, 2004, ça? On mettra une belle écaille. Vous n'avez rien fait depuis 2004. Non, c'est vrai. Mais non, rien fait du tout. Non, mais alors là, vous avez raison. Il y en a un rapport, tu dis ça, mais il y en a un rapport. Non, il y en a un rapport. Bah non. Je vous ai compris là-dessus, l'allusion, c'est le garder en chemin de circulation, c'est ça? Monsieur Butel, il y a 23 chemins sur la liste qu'on s'est engagé en choisir. C'est pas tous, c'est débouché. Je prends combien de cailloux là? Combien de tonnes de. 5 tonnes. 5 fois 16, 80. Ça fait 2 fois qu'on s'est engagé. Ouais, je suis en face de la femme de Jean. Oui, on va rappeler le c'est pas là. Bon, voilà. Jackie, tu me parles sur un autre. Oui, je te parle d'un temps, il faut arrêter de me prendre point de vie. Je te prends pas pour moi, j'ai pas ça. Ça fait un petit moment. M'amuse pas, je suis là, j'ai autre chose à faire. Non, le temps, tu pas d'accord, pas avec. Là, ça va pas, là. Alors, moi, je m'interroge, j'ai une question diverse. Il manque 5 mètres cubes, 5 tonnes plutôt. 5 tonnes. Moi, j'ai une question diverse. Alors, je voudrais savoir, il y a eu bois et vallée. Alors, c'est pareil, on va encore dire que là, je cherche pas la merde, mais il y a eu bois et vallée. Il y a eu les croissants, il y a eu les cafés, tout ça. Qui a travaillé, qui a fourni les croissants et les cafés? Qui a fourni les croissants à la commune, à commandité, à vous, ça chez qui? La FUI, je crois. Bon, pourquoi on n'a pas fait travailler pour voir l'auberge des pilotis? Je regrette, c'est quand même quelqu'un de Beauvoir. Mais il est comme Blanger, c'est des milliers de croissants, c'est pas la peine. Et peut-être, elle était capable de le faire, j'en suis certain.
Alors on est bien content. Alors, non, on aurait été d'avoir, on lui a dit de pouvoir les faire venir. Mais elle n'en fait pas de. Mais non, façon pour chocolat. Elle n'en fait pas, mais on aurait travaillé avec la table en fait. Elle fait des petits déjeuners. Elle fait des petits déjeuners. Elle fait des petits déjeuners, oui, tout à fait. Je suis d'accord, mais des lardinoiseries. On sait bien la trouver pour vendre du pain actuellement parce qu'il n'y a pas de boulanger. Mais pour le restant, tiens. Alors là, non. Bah, tiens, vous savez, au repas du CCAS, c'est le bel repas. Ah bah tant mieux, pour la faire travailler quand même. Heureusement. Heureusement. Voilà. Je pense que cette phrase-là, ça ne vient pas d'elle, hein, je pense. Ah si. Ah bon, pour moi, elle n'a pas fait travailler. Devant la caméra, alors là, elle a le droit de venir nous voir. Mais elle est où sa franchise, là? Elle est où sa franchise? Parce que je la rencontre assez souvent. Elle pouvait m'en parler à moi. Elle est où sa franchise ? En tant que président d'assemblée, vous pourriez au moins faire respecter la police de l'assemblée et deuxièmement parler avec un ton un petit peu plus normal. Elle est où sa franchise ? Un petit peu en dessous. Mais attends, vous la français, c'est bon. Exagère là. Non, mais attends. Mais trop, tu parles. Elle est en franchise. Mais non, c'est son discours. Non, peut-être c'est ce qu'il veut dire. Elle souhaite être associée au gouvernement exceptionnel parce que c'est comme le boulanger, c'est pareil. Sur le fond, elle vit, mais il faut qu'elle arrive aussi à avoir un accès aux événements exceptionnels sans pouvoir, qu'on lui donne. Comme la course de vélo, ouais. Comme le repas de CCAS, comme la course de vélo, effectivement, la deuxième course de vélo. Ouais, il faut qu'on ait ça en tête si on veut avoir des commerces sans pouvoir. Merci pour la leçon de morale. Allez. Et heureusement qu'on n'est pas comptable de votre temps de parole, parce que je pense que... Monsieur Bulten, ouais, moi j'assiste pas à longueur de temps dans la boîte aux lettres, sur internet, dans les rues du village. On parlera ce que vous faites, monsieur. On parlera ce que vous faites. Je crois qu'on va y venir. Eh bien, allez-y tout de suite. Là, c'est pas que je vais leur redire, mais. Non, mais ils le font tous les ans. Ah, ouais, ils l'ont fait tous les ans. Mais là, j'ai passé parce que l'autre fois, le conteneur était plein. Les conteneurs à verre, ils marchent au diable. Mais la haie, c'est l'habitude des employés communaux, là, tous les ans, il la taille. Mais là, un peu de désherbant, la haie. C'est plus là, en fait. Ouais, un peu de désherbant, un désherbant ou un gilet d'herbe. J'aimerais que vous éclaircissiez ce que vous avez. Écoutez, à chaque fois, c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous aurez à la fin. Je vais le dire là. Sur ce que je fais. Je vous ai envoyé une demande de délibération pour organiser un plan de récupération des pneus d'ensilage en allant voir la chambre de commerce, l'agriculture, pardon, en allant voir la région, la préfecture, le département, pour pouvoir récupérer, avoir une action commune sur toutes les pneus d'ensilage qui restent sur Beauvoir pour éviter les feux. Je n'ai pas de réponse, pourquoi vous n'avez pas répondu ? À quoi ? Je n'ai pas reçu par courrier. J'ai reçu tout ça quand ? Par mail. Je votre mauvaise foi, alors là, c'est fabuleux. Hein. Fabuleux. Impressionnant. Je suis comme vous. Waouh. Donc là, pas de réponse. Et d'abord, est-ce que je m'occupe chez vous si vous coupez la pelouse du bazar ? Je ne veux pas que vous occupez des pneus chez la. C'est votre fonction, monsieur le maire. Chez l'agriculteur, il y a votre fonction, votre fonction, monsieur le maire. Ce qui se passe à l'intérieur, votre fonction, monsieur le maire, c'est au niveau de la commune. De toute façon, l'agriculteur, il y a ces organisations qui s'occupent de nous. Mais parce qu'il y a plein de communes qui le font, monsieur Bachelet. Monsieur Bachelet, il y a plein de communes qui le font, ça, justement. Qui gère ça intelligemment, qui propose. Ça coûte très cher de recycler. Je viens de te dire qu'il fallait justement trouver des ressources financières et qu'une mairie était bien placée pour aller voir. Là comme quoi, pour aller voir. Ça a toujours un coût. Ah, ben demandez ça là. Donc vous rejetez la proposition. Oui, je la rejette. D'accord, vous l'avez reçue. De quoi ? Non. Non, mais attendez, je. Vous rejetez le proposition. Moi, sur Internet, je. Sachera que. Vous avez envoyé à la mairie. Non. Non, mais vous recevez jamais rien de même, de toute façon. Même au niveau du CIOM, c'est fabuleux. De toute façon, les mails, c'est vous avez des spams pour tout, apparemment. Non, on les ouvre pas, hein. C'est une secrétaire, c'est pas nous. J'ai eu deux habitants qui m'ont demandé, au niveau des permanences à la mairie, de respecter certaines confidentialités au niveau de leur demande. Et donc, par exemple, que la personne qui fait le ménage dans la mairie ne soit pas là au moment des heures d'ouverture du public. Est-ce que c'est possible ? Elle n'est jamais là aux heures d'ouverture. Jamais. Malheureusement, la réalité. Non, mais quand il y a une personne qui veut. Malheureusement, la réalité est contre et vous mettez une nouvelle fois. Non, mais quand il y a une personne qui veut quelque chose, je garde toujours. Je suis
Sur ça, les articles de confidentialité au niveau d'un mairie, c'est bien. C'est, vous voulez avoir plus de confidentialité ou une ligne de confidentialité comme à la poste, on fait un écartement, les gens reculent 20 mètres derrière ou... Simplement qu'il y ait en face de soi une personne qui soit de la mairie, qui soit soit la secrétaire, soit un adjoint, éventuellement, puisque vous avez ça, mais pas une personne qui n'ait pas une fonction. La femme de ménage n'est pas soumise à un secret pour ce contexte. Bon, attendez, arrêtez pas, n'importe quoi, elle ne fait jamais ménage. On aurait permanent zoomé à confidentialité. Si c'est qu'elle a des choses à demander. Mais justement, il y a une confidentialité de la demande. Bah oui, madame. Bah si, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai trois personnes qui m'ont fait cette demande. Qui l'ont vu, donc ils m'ont fait une demande comme ça par hasard. Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous paraît cohérent, possible de pouvoir éviter le. Alors, c'est quoi? C'est une action d'amélioration pour créer un espace de confiance, ou est-ce que c'est une action obligatoire légale? Ça peut être les deux. Enfin, non, c'est pas obligatoire légal. Là, c'est pas forcément créer un. Oui, enfin, si la personne. Non, le mais ménage n'est pas là. C'est juste ça, je trouve ça. Bah, ça peut être soit, effectivement, de faire en sorte que la personne qui fait le ménage ne soit pas là pendant les ordonnances. Je ne veux pas entendre dire qu'elle vient faire le ménage soit... pendant l'heure de mairie. Soit... Je ne veux pas l'entendre dire. Créer un espace c'est certain, ça. Et vous voulez pas entendre plein de choses, mais malheureusement, la réalité, c'est que je ne veux pas dans les ordres de mairie, elle ne veut pas faire le ménage. Pour vous, elle est obligée aux gens, parce que oui, l'association arrive ici, je suis là avec la personne de la mairie. Par contre, c'est pour mieux contrôler la problématique, parce que c'est là qu'on a tué une femme de ménage qui n'est pas là, et qui n'est pas là, parce qu'il y a rien. Est-ce qu'il y a des actions au niveau de la mairie, des demandes qui ont un aspect confidentiel? Bien sûr, on ne veut pas l'amener, mais on va. Parce que si une association est confidentielle, je suis assez confidentielle, mais effectivement, quand on dit qu'il y a quelque chose de confidentiel, mais la mairie est ouverte à tout le monde, et que là, qu'une personne qui est là ait par ailleurs des fonctions sur le ménage, ça va mal. Si parce qu'il y a quoi que ce soit confidentiel, généralement c'est plutôt pour monsieur le maire que pour moi, et la personne peut s'isoler dans la porte de la mairie, ça se fait. On l'a toujours pas ici, de toute façon. On fait pas de ça. Comme le bureau est très petit, il y a souvent plusieurs personnes dans la mairie. C'était une demande des habitants ou des conseillers municipaux. Ah, pardon. C'était une demande des. Là, on peut surtout faire ici, parce que dans tous les cas, il y a la femme de ménage, mais on peut avoir la problématique, on va dire que quelqu'un d'autre est derrière. On peut avoir la problématique que quelqu'un derrière, et on peut plutôt donner l'inscription aux personnes, si j'ai un aspect confidentiel, demander cette confiance à ici en s'isolant plus d'un métier derrière. C'est ce qui est toujours fait. C'est ce qui se fait. Et qui est plus dans la bonne pratique. Je ne suis pas un indice en plus dans la bonne mairie. Par contre, on ne peut pas empêcher 2-3 personnes d'entrer en même temps qu'il y a resté dehors. Non, mais il y a une confidentialité, effectivement. Donc on peut expliquer cette démarche en compte rendu, parce que personne, c'est pas vraiment s'il y a vraiment un aspect confidentiel, hein, parce que c'est vraiment plus mal du confidentiel sur tout. On voit pas débattre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Un feu de déchets au niveau de la rue du Montréal, toujours au même niveau, au niveau de l'endroit où on stocke les déchets verts de la commune. Le cantonnier a de nouveau fait un feu avec les déchets verts sur un emplacement communal fin août, début septembre, avec des photos encore prises. Je vous rappelle la législation, monsieur le maire. Je vous rappelle, ouais, je veux bien, mais... Il y a d'autres choses pour ça. Mais il y a un minimum, il n'y a pas d'autres choses, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Il y a des non, mais c'est quand même formidable. Monsieur le maire. Est-ce que vous avez un peu mieux au Livrain? Il n'y a pas longtemps. Oui. Ça a duré toute l'après-midi. Il n'y a personne qui a le petit doigt. T'es intervenu? Oui, j'étais voir Michel, j'ai dit t'exagères. Il n'y a pas le petit doigt. Et personne, il a. Je dis, mais les gendarmes, ils vont venir. Non, même pas. Ah, bah, tu peux pas reprocher aux gens de rappeler les gendarmes et puis de ne pas les appeler non plus. C'est compliqué chez toi. Et là, pourtant, ça fumait noir toute l'après-midi. T'as appelé le maire? Moi, pas loin de chez toi. Moi, j'envoie un SMS au maire. Hein? Oui. Attends, le maire? Je ne peux pas appeler le maire. Je ne peux pas l'appeler le maire. Pourquoi? C'est sa fonction. Est-ce que vous avez autorisé ce feu, monsieur le maire? Non. Pourquoi? Non. Mais si on relit, si il y a de toute façon, la personne en question. La personne en question, je ne l'ai pas vu le jour même, puisqu'il était parti. Il a mis le feu, puis il est parti. C'est de la conscience, mais bon, voilà. Il y a eu d'autres feux aux livrettes faits près des maisons. Mais non, mais je choisis le feu qu'il aime et le feu qu'il n'aime pas. J'ai eu le feu dans la rue, deux maisons de moi, j'ai cru que j'allais appeler les pompiers, parce que ça prenait toute la route. Mais bon, pourquoi au Montréal, à chaque fois qu'il y a un feu, il y a une polémique?
Parce que c'est un feu, parce que c'est un feu sur des déchets verts communaux et que la commune doit montrer l'exemple. C'est peut-être ancien comme raisonnement. C'est trop ancien comme raisonnement, peut-être. Pour vraie autre question ? Ça, c'est grave. Oui. Tout ça peut être positif si la direction des routes accepte de faire une ligne blanche dans tout le monde. Mais c'est quand qu'il le statut. Ça fait comme le la demande est faite, après c'est à eux de dire. Et j'aurai l'autorisation de déplacer l'endroit quand une ligne blanche sera en fait. Ouais. Et par contre, apparemment, il y a beaucoup de bruit de verre de l'autre côté. Oui, je sais. Alors, si vous pouvez... J'ai envoyé des portugais, j'ai envoyé qu'ils passent. Ouais. Enfin, ils le font régulièrement. Ouais. Parce que vous voyez qu'il y en a qui arrivent même à acheter leur pare-brise au pied du verre. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il y a un coup, concernant l'état du cimetière, est-ce que vous êtes au courant de l'avancée de, bah, de l'écoulement? Le nouveau cimetière. Le nouveau cimetière, oui. Mais non, c'était resté à l'automne. On avait vu l'archival, toute entreprise était due, la processus fonctionnait, et ils ne peuvent pas faire ça avant le mois de septembre, octobre, ils ont dit. C'est maintenant qu'ils doivent le voir. Ah oui, mais non, ils sont là. Parce que là, en ce moment, avec la flotte, ah oui. C'est bon. Ah, c'était engagé à faire. Vous les avez. Concernant les travaux sur l'église et l'état de l'église, j'ai rencontré M. Petit, qui m'a indiqué que non, il intervient toujours sur l'église en cas de fuite. Sauf au niveau de la partie verticale, où là, pour le coup, c'est trop dangereux. Mais les petites réparations sur les parties obliques sont tout à fait possibles. Voilà. C'était une précision que je voulais apporter. Après, M. Lecointre m'a demandé pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un bâchage des parties les plus ouvertes à l'eau. Je vous ai envoyé à tous un mail, peut-être que vous ne l'avez pas du tout reçu, comme d'habitude, mais qu'en est-il de votre point de vue sur ça ? Bon, la commission se réunit vendredi soir. Voirie ? La commission ? Non, vendredi soir, c'est commission d'église. D'accord. Mais là, je parle à la mairie, enfin, je ne parle pas à la commission. Il y a une commission quand même dessus, elle demande à la mairie pour en discuter. Après, on peut donner un avis contre l'avis de la commission, mais vraiment, s'ils en discutent, on va le faire. Vous transmettez la demande ? Bah. Oui ? Oui ? Mais oui. Mais oui. Vous n'en faites pas, ce qui est là, donc je ne suis pas... J'ai pas de réponse, donc je faute de réponse. Après, c'est à voir si les risques de dégâts sont importants. Oui, je sais pas. Parce que sachant qu'on va découvrir... Monsieur Lecointre disait que ça serait idiot de passer un hiver en plus avec les infiltrations d'eau, d'avoir des dégâts supplémentaires par rapport à cet hiver. Malheureusement, on n'arrive plus dans une bonne saison pour faire tout ça. Pardon ? On n'arrive plus dans une bonne saison pour découvrir... Monsieur le maire, je vous ai envoyé une demande de l'inscription de délibération vous autorisant à porter plainte pour incendie volontaire le 18 avril 2015. Attendez. Monsieur le maire, non, mais, envoyez une demande de délibération pour qu'on puisse inscrire à l'ordre du jour une des versions vous autorisant à porter plainte pour incendie volontaire le 18 avril 2015. Dans un champ appartenant à M. Roussel. Oui, mais... Vous n'avez pas reçu cette demande. De toute façon. Il n'y avait pas répondu. Non, mais de toute façon, je ne prendrai jamais libération. Vous me remettrez une fois de plus au tribunal. Parce que je ne suis quand même pas imbécile. Faire voter conseil contre mon fils. Forcément pas contre mon fils. Mais vous êtes fou, quoi. Monsieur, simplement. Non. Je vous réponds honnêtement de ce que je ressens. C'est ce que vous avez demandé. Cette enquête est juste. Mais l'enquête, elle est faite, l'enquête. Au tribunal, forge les eaux. Madame la préfète ne sait même pas. Madame la préfète, j'ai un courrier, madame la préfète. Cette enquête j'ai un courrier. Pour but d'établir un responsable. Vous dites que c'est votre fils, moi j'étais pas au courant. Tout le monde, toute ma famille le sait. Non mais, c'est trop des gens pour des idiots. Et donc vous prenez madame la préfète. Donc vous prenez madame la préfète pour une idiote. Mais elle le sait puisque les gendarmes m'ont été interdits, mon fils a dit que c'était lui qui avait fait le feu. Alors qu'est-ce que vous voulez me casser les fils aujourd'hui avec ça? Non mais.
pourquoi vous n'avez pas porté plainte pour ce vol. Je ne suis pas très préparé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je serais, ouais. Parce que là, au Carrefour, au Montréal, là, oui. Le Campello, oui. Le petit parking où il y a un tas de mâche-fer, oui. Il n'y a pas possibilité de l'étaler pour faire un genre de parking propre ou pas? Parce que là, il y a... Généralement, il y a trois parents qui viennent chercher leurs enfants au car. Ouais, on l'avait refait il y a un an, mais c'est vrai qu'il pose la question. Que je garde. Non, mais je vais faire. Non, mais je vais faire. J'ai une question par rapport à la plateforme qu'on avait prévue au Clos-Ferrand pour accueillir un conteneur ou deux, puis les poubelles. Où est-ce que ça en est? On en a discuté avec justement une personne du. Et finalement, ce ne sont que des personnes de Besançon qui mettent leurs poubelles là. Mais comme je m'étais engagé avec Besançon, De partager. Du coup, avec le maire de Besançon, tout ça va se faire. Mais il n'y a que des poubelles de Besançon. Il n'y a pas de poubelles de Besançon. Alors après, Madame Fourbon, qu'est-ce qu'il y a de Besançon? Il y a deux ou trois maisons. Et c'est eux qui apportent leurs poubelles ici. Et le grattage de roues, par contre, ça ne conviendrait pas. Parce qu'avec les roues des conteneurs, ça aurait tendance à s'enfoncer. Mais déjà, toi, sincèrement, il y a... Il n'y a pas grand chose à faire pour le moment en attendant de faire un squat, un chat, je ne sais pas. Déjà, couper l'herbe. Parce que là, moi j'y suis passé, j'étais faire la quête pour la poule de Bino, il y a autre ça d'herbe. Alors, je me mets à la place des femmes qui arrivent avec leurs pieds de chaussures, machin, qui vont mettre un truc dans la poubelle, ils ont les pieds tout trempés. Ça c'est malheureux, mais bon, enfin, ça sera au moins couper un rof. Déjà, ça n'a pas de propre. Bah ouais, mais ça peut être rire des gens, mais c'est la réalité. Après, c'est quoi, c'est un point qui nous appartient, je ne sais pas compris. Oui, mais Dominique, il a expliqué. Il y avait un rapprochement avec Besançon. Mais si tu veux, en attendant, bon, là, on y passe. Il y avait 4-5 poubelles, il y en a une qui est pas de bon, ça va être un faire. Mais je te dis, il y a votre salaire. Quoi. Alors bon, c'est pas. Même si c'est des gens de Besançon qui mettent partout. Non, je comprends. Le terrain, il appartient à Beauvoir. Mmh. Tu vois, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y en a pour un quart d'heure. Non, mais c'est un drap pour un homme, parce que les chaussures, des problèmes. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? C'est vrai. On a tourné tout à l'heure en rond pour les cailloux, on fait quoi alors? Par contre, il a rattaqué une sujet sur autre chose, on fait quoi? On fait quoi pour les cailloux? Quels sont ceux qui sont pour en mettre? Exactement. On a dit 5 tonnes. Mmh. Okay. On a 8 à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que tous les conseillers sont au courant que nous adjoints ont des délégations depuis le 27 février? Vous prenez la main. Oui. Moi, je suis au courant. Ok, merci. Enfin, les délégations aux adjoints, c'est un arrêté du maire. Pourquoi on n'a pas été informé? C'est un arrêté du maire. Je sais bien. Pourquoi on n'a pas été informé? Ils ont tous chacun leur travail, voilà. Pourquoi le conseil n'a pas été informé? Il n'a pas jugé utile. C'est pas pour vous, monsieur. Enfin, vous, c'est pas pour vous. C'est parce que vous avez fait connaître votre domaine de compétence, enfin, votre domaine de délégation, en fonction. Bah écoutez, si ça n'a pas été déclaré de manière officielle, vous avez pu voir au sein des réunions, de temps en temps, c'était le sujet que j'abordais. Et quand j'arrive comme ça, c'est que j'ai travaillé un petit peu. Ouais, un petit peu. Et voilà, donc je pense pas avoir démérité comme mes collègues. Et voilà, je trouve que c'est encore tout petit, vos manigances et puis vos insinuations. En termes de gouvernance, vous êtes très fort. Par contre, simplement le fait de dire ce que vous allez faire, je crois que pour la population, c'est pas mal. Enfin, je sais pas, Je suis sûr. Est-ce que tout le monde sait votre délégation de fonction ici? Non. Non, je suis responsable en même temps que le maire de tout ce qui est sécurité routière. Ça, on l'avait déjà dit. Non. Alors, pour moi, je me rappelle dans la commission, on avait parlé quand on avait fait le dossier là-dessus, on avait demandé à un responsable qui s'occupait un peu de la sécurité, j'avais compris ça. C'est peut-être moi qui ai interprété. Est-ce que vous connaissez aussi les questions de fonction de M. Bachelet, Denis? Non. Je parlais sur ça, mais après. Ah, après, comment que le maire définit des délégations? C'est non. J'ai le droit de répondre. Ou le temps de parole, c'est pour vous? Non, c'est moi qui ai. Alors.
Donc la réforme par an est proposée. Ça, par contre, j'ai proposé. Alors, que le maire définit des délégations de pouvoir ou des missions à ses adjoints. Ok, vous en avez parlé. D'accord, c'est tout. Moi non plus, moi n'ai pas parlé. Mais ça me château plus pour autant, moi je vois qui fait les choses. Oh. Ça a choqué, voilà, ici, il est plus choqué. Il n'y a plus d'autres questions? Bah, on peut savoir si juste du coup c'est le fait Denis et la voirie. Ah voilà. J'ai une dernière question, M. Bultel, concernant les propos que vous avez en égard. Je relève irrespectueux, provocateur, agressif, néfaste, nuisible, malveillant. Vous faites référence à quel type de propos? Ça émane d'où? Par contre, je ne vois pas les insultes homophobes que vous avez déclaré avoir effectivement effectuées devant témoin. Ah oui, ainsi que d'autres conseillers municipaux d'ici. C'est bizarre. Alors ça, c'est un témoignage c'est des que j'ai produit. Écoutez, mais vous êtes vraiment pénible. Bon, on va arrêter là, je clôt la séance, parce que ça, c'est hors question. Ça.